Et bonsoir à tous, merci d'être là. Alors pour un débat aujourd'hui, je suis content, très content de réaccueillir Étienne sur la chaîne, Étienne Chouard, qui a malheureusement des problèmes de connexion quand même, donc on espère que ça va tenir tout le live, on va voir. Nous accueillons aussi Bascar de la chaîne Hypnomachie et Dominique qui vont en fait se présenter à vous et à nous. J'ai proposé en fait à Dominique qui m'a contacté de prêter la chaîne pour justement ce débat entre Étienne Chouard et Bascar. Ah, apparemment, ouais, on va avoir des problèmes de connexion avec Étienne. J'en ai bien peur. J'ai l'impression qu'il ne nous entend pas. Est-ce que tu nous entends, Étienne ? Tout va bien. Pas du tout. Je n'entends rien. Bon. Eh bien, il va. Donc en attendant, je vais te redonner la main, Dominique, comme ça tu vas nous expliquer un petit peu et te présenter et nous présenter Bascar. Et puis moi les amis, je surveille le chat ce soir, c'est moi qui m'occupe du chat, donc n'hésitez pas à poser des questions et j'essaye de les prendre et puis de les faire remonter à nos invités en cours de live. Allez, je te laisse la main, Dominique. Très bien, merci, merci à toi, merci, un grand merci à Sanglier de nous accueillir sur sa chaîne, parce que moi au niveau technique, je n'étais pas capable de le faire, donc c'est un vrai plaisir d'être avec toi. Alors, juste pour présenter l'idée qui m'est venue de mettre en face à face, entre guillemets, Étienne et Bascar. Étienne, que je connais depuis longtemps, ça fait un certain moment qu'on fait des choses ensemble, et Bascar, que j'ai découvert il y a très très peu de temps, grâce à un de ses amis qui s'appelle Samuel, que j'ai entre guillemets rencontré sur Facebook, sur les citoyens constituants, et qui avait fait son coming out par rapport au fait de changer son point de vue sur le fait d'écrire une constitution. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et à la suite de ça, donc, il m'a fait connaître Bascar. J'ai regardé 2-3 de ses vidéos parce que ça fait peu de temps que j'ai pu le rencontrer. Et sa manière de voir et d'aborder les choses m'ont énormément intéressé parce que je me retrouvais dans beaucoup de choses qu'il disait à travers des enseignements que j'ai pu suivre d'une autre façon. Et sa manière de voir les choses et d'aller à la racine m'intéresse particulièrement. Comme on va dire, ça va bien décaper, je pense, ce soir. On va avoir des points de vue très, très différents. Et sachant que Étienne, comme Bascar, de ce que j'ai pu voir, on est dans la même fibre de bienveillance. Donc, je suis sûr que ça va être une controverse qui va être très intéressante pour tous et qui va nous enrichir les uns et les autres. Donc, arriver à essayer d'être avec un esprit vraiment complètement ouvert, en essayant de vous débarrasser de vos a priori. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais essayez d'être vraiment dans une ouverture complète et puis de vous laisser aller à ces réflexions qui vont être passionnantes. Alors, je vais présenter Bascar d'une façon très simple, parce que j'ai peu de choses. Hein. Alors, Bascar, fondateur, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de la chaîne Hypnomachie, qui traite de la manipulation de masse, expert en hypnose, endoctrinement et psychologie de la manipulation. Il est psychothérapeute, forme divers professionnels de la santé psychique depuis une dizaine d'années. Et il se consacre aujourd'hui donc aux approches émotionnelles et de pleine conscience. Il est le fondateur de la chaîne YouTube Hypnomachie, qui démystifie l'hypnose quotidienne et environnante. Ça te va, Bascar, comme présentation ? Voilà. En fait, c'est pas compliqué. Hein. J'ai relu ta bio sur le site, puisqu'il a publié un livre qui s'appelle « La perversion narcissique, mythe et réalité » aux éditions ESF Sciences humaines en mai 2017. Mais Sanglier nous mettra le livre plus tard. Voilà, bah, il le met, voilà, comme ça vous l'avez. Donc, alors, le sujet de ce soir… Alors, bon, Étienne, je vais quand même présenter Étienne Étienne qui réapparaît, excuse-moi, on va juste voir s'il a une connexion correcte. Est-ce que tu nous entends, Étienne ? Oui, je vous entends là, mieux que tout à l'heure. Ah, super, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air stable. On t'entend bien.
Alors, je présente Étienne pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, professeur de droit et d'économie à Marseille, blogueur, militant politique, préparant un processus constituant démocratique par l'éducation populaire. Alors, depuis 2005 et son nom médiatisé au référendum sur la Constitution européenne, il travaille à une autre organisation politique de la société à travers une nouvelle constitution d'origine populaire. Depuis 15 ans, il anime de nombreuses conférences et ateliers constituants, c'est vraiment très important les ateliers constituants, en France et à l'étranger, pour que progressivement les électeurs enfants se transforment par eux-mêmes en citoyens adultes. Alors, ses principaux sujets de prédilection, l'écriture de la Constitution directement par les citoyens eux-mêmes, sans passer par les élus surtout, la critique radicale de l'Union européenne, on en parlera peut-être, le procès de l'élection et de la défense du tirage au sort, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière et surtout écrit par nous-mêmes, par les citoyens eux-mêmes, toujours sans passer par la case élus, la réappropriation de la création monétaire par les citoyens et donc une véritable indépendance des différents pouvoirs et le contrôle effectif par des chambres de citoyens tirées au sort, très important le tirage au sort. Et pour résumer en une phrase, on va dire ce message, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, ou autrement dit, ce n'est pas aux représentants, les élus, d'écrire les règles de la représentation, mais aux représentés. Voilà, ça te va, Étienne ? Très bien. Parfait, parfait. Alors, j'ai eu ce sujet, du coup, suite au travail d'Étienne et de ce que j'ai pu voir de ce que fait Bascar, et puis à travers les discussions qu'on a pu avoir avec Samuel, qui se reconnaîtra. Et du coup, j'en étais à me poser la question fondamentale, est-ce que l'État, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment, à l'heure actuelle, la gestion de cette crise, qui pour moi est une opportunité magnifique que nous offre la vie pour éventuellement faire un changement radical sur nos façons de vivre et de notre vie, enfin, nos vies personnelles et en société. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est de vivre? Est-ce que c'est de produire des biens de consommation qui n'ont pas grand-chose de vraiment utile, qui sont là pour masquer des vides intérieurs? C'est là où bon, je pense qu'on a de grandes similitudes avec Bascar sur la manière de voir les choses. Donc, on va peut-être attaquer par ça. L'État, est-ce que c'est nécessaire? Après, on va se poser les questions sur la Constitution. Est-ce que vraiment on a besoin d'écrire une Constitution? Oui, non, comment, pourquoi? Les idées de tirage au sort, de démocratie. Enfin, voilà un peu vers quoi on va discuter. Et puis surtout, une chose importante aussi qui me tient à cœur, et je crois à Bascar aussi, et à Étienne, mais avec des visions assez divergentes, donc ça sera intéressant d'avoir les vues de l'un et de l'autre, sur qu'est-ce que le bien commun et l'intérêt général. Est-ce qu'il y a un bien commun, un intérêt général, ou est-ce qu'il est hétérogène et multiple et dépend de chacun de nous? Alors pour commencer, j'aimerais poser la question à tous les deux. L'État, pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition pour qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'on soit d'accord sur la manière de dire les choses? Alors, j'allais dire, la question, c'est qu'est-ce que l'État? Et en creux, la question en creux, qu'est-ce que ça n'est pas l'État? Allez, lequel veut commencer? Étienne? Alors, pour moi, l'État, c'est une puissance publique. C'est-à-dire, c'est une institution qui est produite par un groupe de personnes qui décident de vivre ensemble et qui, parce qu'ils sont plus nombreux qu'une famille ou une tribu, et encore, même dans une tribu, il peut y avoir un État dans le sens que j'utilise, a besoin d'une autorité. En fait, plus la collectivité est grande, et très rapidement, plus la collectivité est menacée par la loi du plus fort, par la qui est précisément pas une loi, par l'arbitraire des plus forts qui, s'il y a rien pour se mettre en travers de leur force, vont abuser de leur force et asservir les plus faibles qu'eux. Et ça me paraît un tel fait de nature
la domination, peut-être pas de tous les forts, mais de certains forts sur les plus faibles, ça me paraît un tel fait de nature que, enfin bon, peut-être que je me trompe hein, sur ce point de départ-là, mais enfin comme c'est mon point de départ, il me semble incontestable, c'est en cherchant à protéger les faibles que je ne vois pas d'autre manière crédible, pratico-pratique, de protéger les faibles par une puissance publique qui, par construction, est plus forte que le plus fort d'entre nous. Et, à mon avis, ce qui nous manque, c'est qu'elle soit sous contrôle citoyen. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on institue cette puissance et qu'on en garde le contrôle. Or, il me semble que ce qu'on a fait pour l'instant dans l'humanité, c'est qu'on a mis en place des puissances publiques, des États, sans faire attention à leurs institutions, en laissant les plus riches, les plus puissants, les meilleurs menteurs, les plus influents, les plus beaux parleurs, en laissant les dominants instituer la puissance publique et donc l'instituer à leur profit, ce qui a redoublé leur puissance. C'est-à-dire que non seulement, déjà ils étaient puissants, mais quand ils ont réussi à s'approprier l'État, eh ben, l'État était plus capable de nous protéger contre eux, puisque c'est eux qui avaient pas. Mais en fait, j'en dis peut-être trop là, mais comme ça, ça vous permet d'avoir une idée des raisons pour lesquelles il me semble que l'État est indispensable. C'est que malgré les expériences terribles d'État, pour moi l'État est pour l'instant catastrophique, mais il ne l'est pas dans mon esprit par nature, c'est pas parce que il est État, c'est pas ontologique, c'est pas dans son être, c'est pas parce qu'il est État qu'il est aussi nuisible, c'est parce que les peuples humains l'ont pour l'instant, c'est pas même pas mal institué, ils l'ont pas institué du tout, c'est jamais les peuples qui ont institué l'État. C'est toujours les dominants qui ont institué l'État et donc qui l'ont institué à leur profit. Moi, l'État, c'est une puissance publique. Et ça peut être bon que si nous l'instituons nous-mêmes et si nous l'instituons de façon à en garder le contrôle permanent. Bhaskar. Déjà bonjour et puis voilà, merci de m'avoir invité. Alors là, je vais quand même essayer de répondre à ta question au départ, qui est moi, comment est-ce que je qualifierais l'État ? Là, je vais proposer une narration, hein, qui bien sûr n'est qu'une narration. Mais qui est celle que j'ai la joie à mettre en avant maintenant. C'est la fameuse citation de Bastiat qui dit que l'État, c'est la grande fiction au travers de laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Et où, comme dirait Pascal Salin, c'est le pur produit de l'émergence de la violence collective. Et pour autant, je ne me ressens pas, malgré ce que je viens de dire, en faux avec ce que vient de dire Étienne. C'est-à-dire que j'entends avec beaucoup de clarté d'où Étienne parle, et je le rejoins complètement dans son élan d'essayer de faire un groupement sain, tout simplement, basé sur le respect de la personne humaine, etc., sur un certain nombre de valeurs que je pense pas avoir besoin d'expliciter ici, chacun aura compris. Voilà. S'il y a peut-être des accords apparents à ce stade de la discussion en ce qui me concerne, ce serait peut-être notamment sur le caractère non ontologique. Enfin, Étienne disait tout à l'heure que, à son avis, pour l'instant, là, l'État n'était pas ontologiquement délétère. Moi, je crois être arrivé à une conclusion, bon, temporaire, hein, comme toute conclusion, mais que, a priori, si, l'État l'était par nature, et je pense pouvoir le démontrer, ou en tout cas avancer un certain nombre d'arguments assez solides là-dessus, qui pourra peut-être nous faire avancer ensemble là-dessus. Déjà ça, et attends, j'avais un autre point que j'avais noté tout à l'heure. Oui, qui est la notion de collectivité, en fait, qui est le champ lexical du groupe, de la société, du on, du nous, et de tout cette notion qui renvoie au groupe qu'on appelle en psychologie sociale le groupisme. Et à ce stade de ma réflexion, je ne connais aucune façon
pour un point de vue qui se baserait sur le groupisme, d'arriver à quelque chose qui ne soit pas fondamentalement sacrificiel, dans lequel il n'y ait pas le sacrifice donc d'un pan du groupe. Donc là-dessus, au niveau des intentions fondamentales, on se rejoint fondamentalement avec Étienne. C'est au niveau des stratégies qu'on va peut-être avoir matière à discuter un petit peu, justement. Étienne, on ne t'entend pas, il faudrait que tu branches ton micro. Bastia dit, j'ai pas noté ce que tu as dit, ça allait trop vite, la grande fiction par laquelle tout le monde... Par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Si tu veux, attends, si tu veux la citation complète, donc l'État, c'est la grande fiction au travers de laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde, car aujourd'hui, comme autrefois, chacun, un peu plus, un peu moins, voudrait bien profiter du travail d'autrui. Ce sentiment, on ose l'afficher, on se le dissimule à soi-même, et alors que fait-on ? On imagine un intermédiaire, on s'adresse à l'État, et chaque classe, tour à tour, vient lui dire « vous qui pouvez prendre loyalement, honnêtement, prenez au public et nous partagerons ». C'est-à-dire que pour moi, l'État, c'est un intermédiaire éthéré qui va fournir de la justice. Or, comme nous allons probablement le voir, il n'a pas les moyens de ses prétentions. Voilà, d'accord. Ontologiquement, je veux dire. Non. Ah ben alors, là, on va discuter, justement. Je t'écoute. Je suis ravi, on rentre dans le dur, là. Merci à vous. Je retrouve le pessimisme de Hobbes, qui voyait dans l'État garde-chiourme d'humains fondamentalement mauvais et qu'il fallait mater. Et quand on voit l'État comme... Quand on voit les gens, en fait, parce que c'est pas que l'État, dans la définition de Bastia, il dit aujourd'hui comme autrefois, tout le monde voudrait bien vivre aux dépens d'autrui. C'est-à-dire tout le monde serait esclavagiste s'il le pouvait. C'est une vision tellement négative qui correspond tellement peu à ce que je vois, moi, autour de moi. Les gens ne sont pas esclavagistes du tout. Les gens sont très gênés quand ils se donnent pas du mal pour la société, pour ce que la société leur donne en échange. Bien sûr qu'il y a des individus qui sont des profiteurs et qui n'ont pas de scrupules à profiter, mais les gens que je vois autour de moi sont pas du tout sur ce modèle-là. Je vois pas ça, moi. C'est pas le vécu des gens que je vois autour de moi. Alors, quand on voit la société comme ça, où en fait, tout le monde n'attendrait qu'une occasion d'aller voler les autres, et d'aller les faire travailler pour ne pas travailler soi-même. C'est sûr que une vision de la société comme celle-là, elle conduit, et à mon avis, c'est extrêmement pessimiste, quoi. Bon, et ça conduit à dire ce que dit Thatcher, il n'y a pas de société. Il n'y a pas de société parce que ces gens-là ne voient, les gens qui pensent comme ça, on dirait, ne voient que des mauvaises pensées. Et ça rejoint d'ailleurs le dogme néolibéral qui actuellement est complètement, c'est plus que dominant, c'est triomphant. Il nous modélise dans ses modèles économiques, qui sont tous sauf exemplaires, hein, ça s'appelle des modèles, mais c'est juste parce que c'est... Bon, c'est le nom qu'on donne à des espèces de routines algorithmiques qui calculent l'incalculable. Et dans leur modèle, nous sommes considérés comme des... Les humains sont considérés comme des êtres égoïstes qui ne sont mus que par leur intérêt. Et ça correspond à cette vision-là. Hein. Aujourd'hui comme autrefois, tout le monde voudrait bien vivre aux dépens d'autrui. Il n'y a aucune générosité, c'est-à-dire que on dirait que les libéraux, Pascal Salin, Bastia, et puis les Rothbard, tous ces gens qui sont passionnants à lire, parce qu'ils construisent des argumentaires qui, je trouve, très convaincants. C'est vraiment très, très, c'est très logiquement articulé, mais ça part d'une base où nous sommes tous des monstres d'égoïsme. Alors que moi, je vois de la générosité partout. Quand les gens qui soignent dans les hôpitaux là, ils vont pas soigner pour de l'argent. Faut pas me raconter d'histoire, c'est pas vrai. Il y a autre chose qui les meut. Et ça rentre comment dans le schéma de Bastia là, et Salin,
le fait que les gens qui sont allés nettoyer Tchernobyl, qui savaient qu'ils allaient mourir, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils sont morts d'ailleurs très vite. Et pourtant, ils sont allés le faire. Ces gens-là voudraient bien vivre aux dépens d'autrui. C'est des couillonnades. Ça ne correspond pas à la réalité. Alors, c'est une partie de la réalité. Mais ça suffit pas à renoncer à l'État, parce que moi, je voudrais avoir la réponse à cette objection, la mienne que je vais formuler maintenant. Si vous n'avez pas d'État, ok, je vais dans votre sens, l'État est ontologiquement mauvais. Ah ouais? Alors on le supprime. Voilà, il n'y a plus de puissance publique. Il n'y a plus de puissance publique. Nous vivons comme des loups, des chiens, des fourmis. Nous vivons comme dans le règne animal. Qu'est-ce que deviennent les faibles? Bon, ça va devenir, enfin, moi je vois pas, dites-moi si je me trompe, mais ça va devenir comme c'est dans la nature, c'est-à-dire les faibles vont se faire écrabouiller, bouffer, détruire. Et c'est mort aux faibles, quoi. Alors que précisément ce qui fait que les humains se sont hissés, et ça leur donne des responsabilités, hein, qu'ils n'assument pas, mais qui se sont hissés comme ça au-dessus de toutes les autres espèces animales, c'est précisément parce que nous sommes plus entraînés que les autres. C'est ce que disent les anthropologues. Hein. Les anthropologues disent ce qui est très particulier, ce que disait Darwin. Contrairement à ce qu'on lui a fait dire, on lui fait dire exactement le contraire. L'espèce humaine, elle s'est hissée au-dessus des autres précisément parce qu'elle n'a pas joué le même jeu que la sélection naturelle qu'on observe dans les autres espèces animales. Ben, s'il n'y a plus de puissance publique, s'il n'y a plus de solidarité, enfin moi ça fait... C'est vraiment l'image que je me fais d'un monde de merde. Hein. Enfin bon, c'est un monde où on fera ce qu'on peut pour survivre. Je vais avoir des armes moi-même pour survivre, mais je me ferai sûrement écraser par un plus fort que moi. Et puis si ça arrive, ben, je m'adapterai. Mais c'est tout le confort que nous avons, tout le confort, c'est-à-dire la sérénité, la tranquillité que nous avons su, à laquelle nous avons accédé en nous protégeant de la précarité. Pendant que je dors, il y en a d'autres, de mes frères humains, qui montent la garde. Pendant que je dors, des frères humains montent la garde. Et quand ils dormiront, c'est moi qui monterai la garde. Nous nous entraidons. Et c'est grâce à ça que nous n'avons pas peur. C'est grâce à ça que je suis tranquille. Je suis pas. Regardez l'oiseau, il est tout le temps là. Il a la trouille toute sa vie. Bon, si on fait pas attention, si on n'essaye pas de se mettre à sa place, c'est très joli, il vole. Mais regardez-le de près. Il est sans arrêt à tourner la tête. Il a tout le temps peur toute sa vie. C'est une vie possible puisque tous les animaux vivent comme ça, sauf les plus gros, ceux qui sont. Bon, le lion, il a peur de rien, l'éléphant non plus. Mais la plupart des animaux ont peur d'être bouffés. Et ce serait notre lot si nous n'étions pas solidaires en nous aidant les uns les autres. C'est un premier exemple, mais il y en a. Je vois une foultitude de. Il faut lire Kropotkin, l'entraide. Bon, mais je parle trop, pardon. Allez, on va passer. Non, mais c'est très bien. Non, mais ça démarre très très bien. Moi, je suis ravi de ça. Donc, Bhaskar, vas-y, on t'écoute. Ben moi, en fait, je suis un peu embêté parce que je suis pas sûr que tu m'aies entendu, en fait, Étienne, parce que j'entends avec grande clarté tout ce que tu dis, mais le fond de ma pensée là, c'est que tout ce que tu dis n'a juste rien à voir avec ce que j'ai exprimé. Donc j'ai été ravi de t'entendre et de voir et d'entendre toi ta crainte, tes valeurs, etc. Et ça m'intéresse. Mais je ne me reconnais absolument pas dans ce que tu as dit. Alors j'ai pris des notes pendant que tu parlais. Tu disais que ça c'était basé sur une forme de pessimisme. Alors moi déjà non, pas du tout. Je suis un optimiste convaincu qui d'ailleurs je dis souvent que mon optimisme confine parfois à la connerie. Hein, c'est pour te dire à quel point je me sens pas pessimiste vraiment du tout. Et un paradigme comme quoi il faudrait mater les humains. Alors ça me parle mais pas du tout. Ça n'a juste rien à voir avec ce que j'ai à dire, avec là où je me place. Donc je
J'ai pas envie là tout de suite, tu vois, de hurler au sophisme de l'homme de paille tout de suite, mais j'ai une partie de moi qui a envie en fait de le dire. Et alors bon, c'est pas grave, on se connaît pas encore, on est en train de s'écouter, de s'ajuster, etc. Donc je tu vois, parce que c'est super chiant quand les gens disent ah sophisme, mais tout de suite ça met une ambiance de merde. J'ai pas envie de faire ça comme ça du tout. Et voilà, bon voilà, on sourit ensemble, etc. Donc je suis sûr qu'on va réussir à s'entendre dans 5 minutes. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai exprimé. Tu parlais de Thatcher qui pensait qu'il n'y avait pas de société de fait. Oui, moi je crois qu'il n'y a pas de société de fait. Ça, là effectivement, là-dessus je vais te rejoindre. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de société de fait, parce que ça c'est la sociologie. C'est quoi une société? C'est un groupe humain qui vit ensemble, etc. C'est qu'un groupe humain, c'est un groupe qui a suffisamment d'homogénéité pour mériter le nom de groupe. Ça, la définition en sociologie. C'est totalement tautologique. Donc ça ne définit rien. Il y a une part ou de logique circulaire ou de dogmatisme. T'as envie d'intervenir? Micro. Pour les humains, c'est pas tautologique. Tous les humains n'ont pas envie de vivre ensemble. La société, c'est des groupes d'humains qui décident de vivre ensemble. Et ça, c'est pas tautologique, non? Alors, ça va nous amener vers une autre notion. Je vais quand même finir de te répondre, mais après, ça va nous amener vers une autre notion qui est, là, tu sembles présupposer qu'un groupe peut avoir une volonté de groupe. Oui. Moi, ce que je dis, c'est que je dis pas non. Je dis que c'est à ceux qui l'affirment de le démontrer, la charge de la preuve. Et du coup, je t'écouterai avec plaisir là-dessus. Je termine juste quand même ma réponse à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu parlais de aucune générosité. Moi, personnellement, ça me parle pas du tout. Hein. L'autre jour, dans un film que j'avais fait avec un ami, on ressortait justement certaines statistiques du journal Forbes qui montraient à quel point, quand il y avait plus de puissance publique, il y avait une hausse gigantesque des dons, que ce soit donc aujourd'hui, on l'a encore vu avec Notre-Dame, même autrefois, à l'époque des Romains, etc. C'est-à-dire que, en fait, il faut bien comprendre que l'État, c'est une stratégie possible pour la solidarité. C'est-à-dire que, parce que tout à l'heure, à la fin de ton exposé, tu semblais dire que, non, un monde sans entraide, moi, j'ai pas envie. Mais je suis pas en train de parler d'un monde sans entraide. Je suis en train de parler d'un monde où on laisse les gens, être libres d'entraider le prochain. Et je te rejoins totalement. Il y a énormément de travaux scientifiques. J'en avais parlé, notamment les travaux d'un psychologue qui s'appelle Jacques Lecomte, qui étudie la bonté humaine, etc. Et qui montre justement qu'on a des biais cognitifs dans le sens où on a toujours tendance à penser qu'on serait plus généreux que le voisin et que le voisin serait beaucoup moins généreux que nous, etc. C'est une façon de se dorer une belle estime de soi, de se faire une belle image de soi, etc. C'est un biais cognitif classique quand on pense les choses. Oui, pardon. Juste pour aller dans ton sens, qui est intéressant, c'est je repense à une vidéo qui a été faite par le mouvement pour un revenu de base universel, dans laquelle ils allaient voir les gens. Alors, comme ils disent, ça n'a strictement pas de valeur réellement statistique, parce que l'échantillon était relativement faible. Mais lorsqu'ils posaient la question, par exemple, à une caissière de supermarché, à des personnes qui avaient des boulots, bon, qu'on peut considérer comme étant pas très valorisants, et on leur posait la question. Si vous aviez un revenu de base confortable qui vous permette de vivre sans avoir besoin de travailler, est-ce que vous continueriez de travailler? 80%, je crois à peu près, c'était ça, les personnes répondaient, oui, évidemment. Ils disaient, ah bon, pourquoi? Parce que j'aime rencontrer des gens, par exemple, discuter, et puis ça m'apporte des choses, mais je le ferais différemment, je ne travaillerais peut-être pas autant, je passerais plus de temps avec mes enfants, mais ça ne m'empêcherait pas de continuer de travailler. C'était la première question. Et la suivante qui arrivait, c'était... Est-ce que vous pensez que les autres continueraient de travailler? Et à 80%, les gens, non, les gens, c'est des feignants, ils pensent qu'une chose, c'est ne rien faire. Voilà, parce que c'était juste pour aller dans ce sens-là, c'était de voir l'image qu'on peut avoir de l'autre qui est assez déplorable d'une certaine façon. Soi-même, on s'estime être bon, mais l'autre, non, l'autre, c'est qu'un profiteur. Quoi. Voilà, je referme, je te repasse la parole. Et c'est justement tous ces biais cognitifs, moi, que j'étudie depuis 20 ans, et je les vois à chaque fois qu'on parle de politique, je vois plein de gens qui tombent dedans, ce qui est normal, c'est le principe du biais cognitif, on va pas en vouloir. Mais je pense intéressant de les poser ensemble, de les mettre à plat, et de voir comment ensemble, là, enfin ensemble au moins nous quatre, là, et puis les gens qui écoutent, on peut, parce que, j'ai un réflexe, notamment un de ces biais cognitifs, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le groupisme. Le groupisme, c'est cette tendance
qu'on a à penser en termes de « on », en termes de « nous », sans jamais définir qui est « nous ». Là, ça va, parce qu'on est à taille humaine. On est quatre personnes, on discute ensemble, on est une bande de copains, on discute ensemble. Mais dès qu'il s'agit de collectifs un petit peu plus grands, eh ben, se pose la question de qui fait vraiment partie, je sais pas, les Parisiens, c'est, ouais, ça s'arrête où, Paris ? C'est une super bonne question. Et a fortiori, quand on est dans la nation, ça s'arrête où ? Et en fait, on c'est un heuristique de pensée, c'est une façon de se simplifier la réflexion. Sauf que moi, je suis allé voir de l'autre côté de cette heuristique, et ce qu'on voit, c'est pas bien joli dans les coulisses. Parce que pour pouvoir générer ces heuristiques, dont la principale vertu est de passer à l'action, eh ben, on va sacrifier un pan du réel. Et du coup, pour reprendre ce que disait Étienne tout à l'heure, tu me disais « quid du faible ?» Ben, moi, je m'en préoccupe autant que toi, Étienne. Nous avons les mêmes valeurs à cet endroit-là de protection du faible là-dessus. Et pour moi, c'est justement en étant conscient de la logique sacrificielle qu'il y a dans le groupisme qu'on peut vraiment protéger le faible, puisqu'on ne peut pas avancer avec comme étendard la protection du faible et avoir des moyens dans lesquels on va sacrifier un pan du réel et un certain nombre de gens. C'est juste pas possible. Et donc, pour moi, le non-sacrifice, ça passe par le respect absolu, attention, j'enfonce des portes ouvertes, de la souveraineté de l'individu. C'est la définition du respect de l'individu. C'est de respecter ses droits, c'est de respecter qui il est, son intégrité, ses choix de vie. Voilà. Et donc, du coup, la problématique, je termine là-dessus, je te repasse la main, Étienne, la problématique là-dessus, elle n'est pas à poser en termes d'un monde avec entraide et d'un monde sans entraide. C'est absolument pas ça. Moi, ce que je dis, c'est est-ce que l'entraide et la solidarité, est-ce que ça se décrète par la force ? Eh ben moi, je crois, et pas mal de mes collègues psy sont d'accord pour dire que l'entraide, la solidarité, comme l'amour, ne se décrète pas par la violence. Étienne. Le micro, Étienne, le micro. Tout ça est très convaincant. Je retrouve la puissance de l'idée libérale que je lis chez Rothbard, Hayek. Est-ce que l'entraide se décrète par la force? C'est très bien formulé parce que c'est convaincant. On se dit, bah, évidemment non. L'entraide, ça devrait être spontané. Ceci dit, alors là, je vais faire le reproche inverse que je faisais tout à l'heure, mais j'ai pas la réponse à ce que je disais tout à l'heure. J'ai la réponse sur l'entraide. Oui, si on n'a pas d'État, on va avoir de l'entraide parce que on est sur la même position. Excuse-moi de t'avoir fait croire que je te voyais comme pessimiste. Quand je parlais de pessimiste, je parlais de Hobbes et du Léviathan. Et Hobbes justifiait l'État par son pessimisme par rapport aux hommes. Il pensait que l'homme était un loup pour l'homme et donc il fallait un garde-chiourme. C'est lui qui était pessimiste, je ne pensais pas à toi. Mais j'ai pas la réponse à ma question. Parce que l'entraide est une chose, mais la protection des faibles contre les forts en est une autre. C'est ça qui justifie la police pour moi. Je vois pas comment, le monde étant ce qu'il est, il y a des affreux. Il y a des affreux. Et comment on va faire avec les affreux? Aujourd'hui, c'est la cata parce que c'est eux qui ont pris l'État. Alors, ouais, c'est vraiment le bit du bout de la marne, hein, comme disent les Canadiens. Mais si on organise nous-mêmes notre société, enfin, oui, notre collectif, il y a quelque chose qui avait l'air de te choquer tout à l'heure, c'est quand tu disais « c'est à moi de prouver qu'une société veut vivre ensemble ». Et à mon avis, ce qui te donne raison, c'est que pour l'instant, nous n'avons jamais écrit notre constitution. Pour moi, la constitution, c'est ça l'acte qui dit qu'on va vivre ensemble. Avant qu'il y ait une constitution digne de ce nom, nous ne sommes qu'une multitude. Et je pense qu'on est quasiment dans cet état-là aujourd'hui. On n'est pas un peuple, on n'est pas une société digne de ce nom. Parce qu'on n'a pas pensé notre contrat social et on ne l'a pas établi et on ne le protège pas après l'avoir établi et décidé. Et on n'a pas, parce que dans le contrat social, il y a aussi le droit de sécession, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les gens à y être. C'est-à-dire que la constitution, il faudra qu'elle soit signée à l'unanimité.
La Constitution, dans mon esprit, il faut qu'elle soit signée à l'unanimité. Mais ceux qui ne la signeront pas. Mais ceux qui ne la signeront pas, ils ne feront pas partie de la société dont on parle. C'est les étrangers, parce qu'ils l'ont décidé. À mon avis, une constitution, une bonne constitution telle que je la vois, elle doit, et à mon avis, les libéraux, ils doivent être capables d'entendre ce que je dis là quand je dis ça, parce que ça devrait coller quand même. À mon avis, une multitude devient un peuple quand elle pense en constituant, c'est-à-dire qu'elle pense les institutions dont elle va avoir besoin pour vivre de façon pacifiée, parce que dans le réel, il va y avoir au milieu d'entre nous, il va y avoir des gens qui, peut-être pas tout de suite, mais petit à petit, vont se mettre à être, parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont plus forts et qu'ils ne craignent rien, ils vont se mettre à abuser des autres. Et bien, il faut que nos institutions, elles anticipent cette situation d'abus, d'arbitraire, et qu'elle, par la puissance publique, qui sera peut-être pas aussi forte que la puissance publique aujourd'hui, hein, on va peut-être mettre en place une puissance publique beaucoup plus douce et beaucoup moins inquiétante et dangereuse que les puissances publiques actuelles. On va mettre en place un minimum nécessaire pour protéger les faibles. Est-ce que c'est plus compatible avec ce que tu imaginais? Parce que si tu veux, à partir du moment où les gens auront signé une constitution, avec la possibilité à tout moment de la modifier et de se barrer, la possibilité aussi de faire sécession pour une commune, pour un individu. À mon avis, une constitution qui prévoit pas le droit de sécession, elle est tyrannique. Il faut, c'est Rousseau qui le dit, hein, avant que les lois s'appliquent, il faut que le contrat social soit signé à l'unanimité. Et puis ceux qui n'ont pas signé, c'est les étrangers par rapport à cette société. Mais là, c'est pas tautologique quand même, c'est bien une société, non? Mais alors, qu'est-ce que tu fais des étrangers, de ceux qui refusent de signer le contrat social? Eh ben, ils vivent leur vie d'humain à part, enfin, comme les étrangers aujourd'hui. Enfin, c'est des étrangers. C'est pas des animaux, c'est pas des objets, c'est des humains. Et j'imagine que notre constitution, elle va penser le statut des étrangers. C'est-à-dire qu'on va pas leur donner aucun droit parce qu'ils sont vivants. J'imagine qu'on va les reconnaître comme ayant des droits. Enfin, la Déclaration des droits de l'homme, elle sert à ça. Enfin, elle est cet essai humain de donner à chaque être vivant, chaque humain vivant, des droits indépendamment de sa citoyenneté. Et quand, ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Quand il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on s'aperçoit que on a attaché ses droits à une citoyenneté et que finalement, les apatrides posent problème. Mais normalement, ça ne va pas poser problème. La Déclaration des droits de l'homme, elle vaut pour tous les êtres vivants, quelle que soit leur citoyenneté. Et donc, j'imagine que dans une constitution d'origine citoyenne, puis je l'observe dans les ateliers constituants, les gens se préoccupent de ça. Ils se préoccupent de ce que les étrangers soient pas maltraités. Et donc, dans les institutions, on écrit ce qu'il faut pour, si jamais ça arrive, il y aura des outils pour résister aux puissants abusifs. Mais c'est pas pour ça que ça va servir. C'est pas, comment il disait Salin, le pur produit de la violence collective. C'est-à-dire que la violence contre les violeurs, oui, effectivement. Mais pas la violence comme ça, en toute matière et arbitraire, c'est pas ça. Enfin, dire que la société, c'est ça qu'il dit Salin, la société, c'est le pur produit de la violence collective. C'est l'institution d'une violence, mais contre les violents. Alors oui, mais c'est pas n'importe quelle violence, ça c'est pour protéger justement les non-violents. Enfin, si c'est bien pensé, si c'est mal pensé comme aujourd'hui, c'est terrible parce que la police elle nous tire dessus alors qu'on n'est pas violent. Et là on a, mais c'est pas l'État qu'on a là, c'est un État complètement dévoyé, c'est un État qui est pris, qui est contrôlé par les puissants. Alors que c'est contre eux que l'État devrait être pensé. Donc c'est juste parce qu'on n'a pas On a renoncé à y penser. Mais ce qui m'étonne, c'est que je vois pas comment les libéraux, les Salins, les Bastia, dont je suis sûr qu'ils cherchent le bien commun, je leur prête pas de mauvaises intentions. Simplement, je vois pas comment ils vont faire pour éviter l'arbitraire s'il n'y a pas une puissance qui gêne les affreux. Comment tu vas faire pour protéger les faibles si tu n'as pas une puissance publique plus forte que le plus fort?
Alors là, je suis content parce qu'on commence à s'entendre. Ça me fait plaisir. Tant mieux, tant mieux. Parce que tout ce que tu as dit sur l'importance d'un droit de sécession sans quoi un contrat social est tyrannique, c'est précisément le point de vue libéral. C'est ça que j'appelais tout à l'heure le respect de la souveraineté individuelle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un collectif peut s'imposer à un individu, même s'il est en minorité. Parce que c'est ça, la protection des minorités, en fait. La première, en tout cas, des protections des minorités, c'est déjà de ne pas les inclure de force dans un collectif. C'est-à-dire, c'est ça le respect de l'individu. Je vais te répondre sur la question qui te tenait à cœur, je vais pas l'évacuer. Mais ça, c'est la base. C'est-à-dire que c'est quoi un collectif? C'est un ensemble d'individus. Donc, ça veut bien dire qu'au départ, on doit respecter l'individu avec tout ce que tu as dit, donc respect du droit de sécession, obligation de ratifier les choses, etc. Enfin voilà, en gros, on consulte vraiment la personne et on la consulte de façon réelle avec une alternative. C'est-à-dire que si jamais elle a une, j'en sais rien, elle a une petite maison dans un coin, et ben si elle veut faire son petit pré carré, ce qui à mon avis est une connerie, ça va concerner 0,0001%, tu vas avoir deux parano qui vont être là avec leur truc, mais enfin bon, on pourra en discuter après parce que t'as pas l'air d'accord. Mais c'est les riches qui veulent faire sécession, c'est pour moi c'est un problème, je sais pas comment le régler, on verra. Moi à la limite j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, ça me dérangera pas là-dessus, dans le sens où quand je vois un être humain, je vois pas un compte en banque, je vois pas une religion, je vois pas une couleur de peau, je vois juste un être humain dans son ontologie. Voilà. Mais en tout cas, anyway, ce que je voulais dire, c'était, je te rejoins fondamentalement là-dedans. Les différents présupposés que tu as énoncés dans un collectif sont des présupposés totalement libéraux, en fait. Donc déjà, c'est génial parce que ça veut dire qu'on commence déjà à trouver des points d'accroche. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on continue de discuter pour trouver. On est d'accord sur le fait que la société telle que je t'en parle, elle n'est pas tautologique. C'est-à-dire que c'est une vraie société. C'est les gens qui ont vraiment envie. Ah, si. Tout concept est ou dogmatique ou tautologique. Ça s'appelle le trinôme d'Agrippa. On le sait depuis la Grèce antique. J'ai pas compris. Tout concept. N'importe lequel? Oui, et ou tautologique ou dogmatique, ça s'appelle le trilemme d'Agrippa. Et si on n'en a pas conscience, c'est très emmerdant. Parce que ça veut dire qu'on croit un petit peu trop aux narrations qui sont dans notre système nerveux. Et moi, tout le travail que je fais, c'est d'essayer d'amener de la conscience sur nos narrations. J'ai rien contre les narrations, vous voyez, moi-même, j'en tiens un certain nombre, etc. Mais j'ai commencé par dire, bon, voilà la narration que je vais vous proposer aujourd'hui. Parce que quand on commence à s'accrocher mordicus à sa narration, là, ça veut dire qu'on a notre cerveau limbique qui commence à dire « non, je veux ». Et là, on perd notre capacité de penser, on inhibe nos lobes frontaux, etc. Et petit à petit, on est stressé, on n'est plus en capacité de réfléchir avec du recul sur les choses. Bref. Donc, On est parti. On est parti sur des concepts qui m'échappent un peu. Mais quand tu dis soit tautologique, soit dogmatique, oui. Dogmatique, ça me pose pas de problème puisque c'est comme les briques d'une maison. Le droit est dogmatique. Voilà, le droit est. On a besoin de références pour penser. Les dogmes, c'est des références. C'est pas forcément négatif, dogmatique. Hein. Là encore, de toute façon, moi, je suis pas en train de faire des jugements de valeur positifs ou négatifs. Je dis juste que s'il y a un dogme, c'est d'avoir conscience qu'il y a un dogme. Et s'il y a un dogme, ça veut dire que je n'ai pas à imposer à autrui mes dogmes. Ou alors, ça veut dire qu'on assume une forme de totalitarisme. Mais alors, attends, je voudrais juste terminer quelque chose, parce que tu as dit beaucoup de choses. Donc moi, ça me va si on fait après un ping-pong plus rapide. Hein, à la limite, je préfère. Hein, moi, mais... Oui, il faudra faire ça. Moi, me laisser parler et m'interrompre quand il faut répondre. Bon, OK. Parce que, donc voilà. Tu avais dit… ah oui, nous avons des études qui montrent que vous prenez des gens comme ça qui sont issus de panels et on les a testés psychologiquement pour voir quel est leur score de domination, leur avidité par rapport au pouvoir, etc., et leur proportion à dominer autrui. On prend des gens qui ont des scores très très faibles, de l'ordre de 10-15%, etc., à ces trucs-là, on les met en position de dirigeant. Après 3 semaines, 1 mois en position de dirigeant, ils sont montés à 80%. Ça veut dire que la position de pouvoir, ontologiquement, elle va transformer le cerveau des gens. Elle va transformer le caractère. Et c'est un des éléments qui me fait penser que c'est fondamental d'avoir ce droit de sécession. Parce qu'effectivement, une organisation collective, pourquoi pas? L'être humain, il adore se mettre ensemble, faire des trucs formidables. Donc, c'est vraiment trop con de l'interdire par principe. Simplement,
ce droit de sécession, il est fondamental, parce que ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui se met comme ça à prendre la grosse tête et à se transformer en un petit despote, les gens peuvent dire ah ben non, on se retire du projet parce qu'en fait on n'est plus d'accord sur comment ça marche. Et ça, c'est oui, un point fondamental. D'accord. Oui, mais ça suffit. Okay, ça suffit. Ça suffit pas. Je t'appelle Bascar ou bien je t'appelle par ton prénom. Et, on peut pas se contenter du droit de sécession comme protection contre les chefs, les mal-alpha qui vont prendre le pouvoir. Mais il y a des choses plus robustes qui permettent de protéger contre les chefs. Dans les institutions sur lesquelles on réfléchit depuis 15 ans, on a découvert une procédure qui est complètement méconnue. Moi, je n'avais pas appris ça à l'école. C'est en lisant, j'ai découvert l'existence. Et maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur le tirage au sort, qui est la procédure de la rotation des charges. Les humains savent qu'ils ont des problèmes avec les hommes au pouvoir depuis des millénaires. Depuis, à mon avis, ils avaient ce problème-là avant même l'écriture, donc avant l'histoire. Et nous, on a l'impression que ces problèmes existent depuis 5000 ans, enfin, ou 3000 ans depuis qu'on a une histoire écrite. Mais à mon avis, c'est ontologique. Les humains ont besoin de pouvoir et en même temps, ils ont un problème avec les pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Mais il y a longtemps, à Athènes, déjà, ils avaient inventé la procédure qui permet, parce que la dégradation dont tu parles, elle n'est pas instantanée. Le pouvoir transforme les gens, mais il faut quelques semaines, quelques mois. Si tu organises une rotation. Hein, oui, ben, si c'est quelques semaines, organise une rotation à Athènes, le président d'Athènes est changé tous les jours. Donc tu ne pouvais pas prendre le melon. Un citoyen sur quatre à Athènes pouvait dire « j'ai été une fois dans ma vie président d'Athènes, je serai dans ma vie président d'Athènes, et je ne serai qu'un jour, je ne serai qu'une fois ». Ça tourne. Alors j'aurais peut-être une autre responsabilité, mais et donc si tu veux, la rotation des charges, c'est une procédure, donc ça, je ne parle pas des qualités des individus A ou B, c'est une procédure, une institution qui protège le groupe contre précisément ces mal-alpha pour éviter qu'ils ne s'enquistent dans les pouvoirs. Et à mon avis, on pourrait très bien prévoir que la police, l'armée, les juges, même les profs, je dis ça parce que je suis prof, hein, mais enfin tous les lieux de pouvoir, s'ils étaient alimentés par tirage au sort au lieu d'être constitués en corps immuable dans les. Alors, c'est vrai que ça transforme les gens, ça les transforme en mal. Le pouvoir corrompt. Et bien sûr, mais c'est pas ontologique, si tu veux. La société, elle va pas être tyrannisée forcément, parce qu'il y a des manières de l'instituer qui protègent contre les mal-alpha. L'élection, elle donne le pouvoir au pire. Mais justement, c'est là où on en revient sur le RIC, parce que moi, sur la stratégie que tu proposes, moi, ma position, elle est très claire. Je suis simplement pour laisser les gens vivre avec les stratégies qu'ils ont décidées, librement, dans un climat de respect de la souveraineté. Donc, si toi, Étienne, ça fait sens pour toi, cette stratégie, à la limite, j'ai rien à dire et je suis content pour toi. Tu vois, c'est à partir du moment où il y a 10, 20, 50 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes qui sont d'accord pour employer une stratégie donnée, pas de problème. Ce que je dis, moi, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans le système actuel, mais qu'on est d'accord pour dire qu'il est à bout de souffle, c'est que on n'a pas ce respect de la souveraineté individuelle et qu'à partir de là, toutes les stratégies prises au nom du « on », ben en fait, se font en niant l'individu. Et le pire, c'est qu'ils le font au nom de la défense des minorités, alors que l'individu, c'est la minorité ultime. Et c'est là où je trouve que… Donc, je ne m'oppose pas à ce que tu dis. Moi, je suis simplement pour dire, voilà, en amont des choses, le respect de l'individu et de la dignité et de la souveraineté individuelle et la brique de base de tout collectif sain. Ensuite, dans un deuxième temps, que les membres d'un certain nombre de gens aient envie de se réunir pour faire un collectif à une échelle qui leur appartient, après, comment ils s'organisent? À la limite, s'ils ont envie de jouer aux osselets chaque décision, ça les regarde. Ah non, c'est pas la décision qu'on joue au sort, c'est le représentant. C'était pas une façon d'ironiser sur ce que tu proposais déguisé. C'était vraiment, ça voulait vraiment dire ce que ça voulait dire. C'était pas du tout une attaque déguisée. Non, mais je ne prends pas ça comme une attaque. C'était juste, j'avais l'impression qu'il y a un malentendu. Le tirage au sort ne sert pas à prendre des décisions. C'est pas des décisions qu'on tire au sort. Hein. C'est très bien. Les postes de responsabilité ne peuvent pas être accaparés parce que la procédure d'accès à ces responsabilités
C'est la procédure de la rotation. Le tirage au sort, il est à une égalité, c'est presque une identité de tirage au sort égale rotation des charges. Oui. Donc tu vas pas avoir la transformation que tu redoutes. Tu vas t'en protéger avec cette procédure. Oui. Enfin, tu vas t'en protéger. En tout cas, c'est un moyen qui mérite d'être testé. Et puis après, le réel va nous faire un feedback. Moi, je suis pas contre ce truc-là. Virgule, c'est et. Ce que je dis, c'est pas mais, c'est et. Et à partir du moment où c'est librement accepté par des individus dont on a respecté la souveraineté individuelle. Et à ce moment-là, on est d'accord. Donc, je vais quand même au bout du truc, parce que ça veut dire que pour moi, tant qu'on raisonne en termes de qu'est-ce que on va faire, et tant qu'on prend pas le temps donc de définir ce on, il y a ce spectre de la crypto-prise de pouvoir par détermination de qui est le où. De qui est le groupisme, dont je parlais tout à l'heure. C'est à cet endroit-là où justement j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'hypnose de Macron, qui explique justement la tâche aveugle du RIC, qui est que le RIC, c'est on va écrire, on le peuple, on va faire notre constitution, mais qui détermine, qui a le droit de parler, c'est qui on. Et comme il y a aucun critère objectif pour déterminer ça, parce qu'il y en a qui sont pour le droit du sang, le droit du sol, le machin. Enfin, il y a plusieurs référentiels. Et donc, ça veut forcément dire que si des gens se réunissent, donc déjà des millions de gens, c'est pas évident, mais aujourd'hui, on a les outils technologiques pour le faire. Mais si des gens se réunissent pour le faire, c'est qui va déterminer en amont qui a le droit de jouer et qui a pas le droit de jouer. Et comme on sait que le choix du cadre détermine le résultat, moi, je dis qu'il y a là une crypto-prise de pouvoir. Je n'ai jamais entendu aucun fan du RIC donner une réponse à ça. Et je vais t'en donner une, moi. Tu vas me dire. Eh ben, génial. Et je finis quand même pour te répondre par la protection des faibles, parce que tu m'as dit que je n'ai pas répondu, donc je vais quand même te répondre. Oui, oui. La protection des faibles, moi, je suis là encore pour des stratégies liquides. C'est-à-dire que je ne suis pas pour une stratégie monolithique standardisée qui va s'imposer à tout le monde, parce que, en termes de théorie des jeux, on sait que les stratégies pures, c'est les pires stratégies possibles. En gros et en clair, pour ceux qui connaissent pas la théorie des jeux, quand vous faites toujours la même chose, c'est à peu près la pire stratégie possible. En gros, si jamais vous mettez toujours le même vêtement pour aller travailler, il y a des jours où vous allez crever de chaud, des jours où vous allez crever de froid, puis de temps en temps des jours où ça va être adapté. Il faut mieux une stratégie mixte où on regarde d'abord le temps dehors avant de sortir. C'est ce que fait la nature. La nature passe son temps à faire des stratégies mixtes. C'est pour ça qu'il y a des grands, des petits, des larges, des maigres, etc. Et que l'État, par définition, c'est quelque chose qui centralise. Alors moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des gens qui se mettent d'accord sur une norme de groupe. Je suis pas anti-groupe. Enfin, je veux dire, comment être anti-groupe, ce serait déraisonnable. Par contre, ça me semble important qu'il y ait une grande liquidité dans ces constitutions groupales. Et que même au sein d'un groupe. Ouais. Une grande souplesse et qu'il puisse s'adapter en fonction de la situation. Exactement. Un peu comme des cellules, tu vois, qui s'agrègent, se désagrègent, tac. Et qui peuvent prendre du feedback du réel et qui ne soient donc, par définition, pas institutionnalisées. Là, on va avoir des accords, je vais t'écouter. Justement, la protection des faibles, comme toutes les autres questions, en fait, peut être réglée de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a un besoin de protéger les faibles, oui. L'immense majorité des gens sont d'accord avec ça. Et donc, par définition, il n'y a pas de raison que les faibles se retrouvent seuls, puisque l'immense majorité des gens, et là encore, on a aussi les études qui le montrent, ressentent énormément d'empathie, sont prêts à donner, même sans coercition étatique, j'ai déjà donné les références tout à l'heure quand je parlais de Forbes, etc. On l'a vu là encore, justement, sur Notre-Dame, etc. C'est un acte de confiance, mais c'est un acte de confiance qui n'est pas une confiance bête et aveugle, qui est soutenu par toutes les études scientifiques sur le sujet à l'heure actuelle. Bon, vas-y, Étienne, réponds sur le RIC, alors. Enfin, et puis le reste. Alors, sur le RIC, la procédure sur laquelle on est tombé d'accord, et quels que soient les gens, que ce soit de gauche, de droite, c'est pour l'instant, et on trouvera peut-être encore mieux, mais c'est que les collectifs partout dans le pays commencent à rédiger leurs institutions, les institutions qui leur paraissent les plus équilibrées de RIC. Alors, il y en a qui vont prévoir d'écrire simplement dans l'article 3 de la Constitution la possibilité d'un RIC en toute matière. Et en disant RIC en toute matière, pour eux, tout est dit. C'est-à-dire que la population pourra, sur tous les sujets, intervenir.
est décidé. Puis il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas assez précis et qui prévoient les cas en distinguant l'éric législatif pour imposer une loi, l'éric abrogatoire pour abroger une loi, donc la détruire, c'est une loi qui est pas bonne, l'éric révocatoire pour révoquer les responsables dont on n'est pas content, et l'éric constituant pour changer la constitution s'il y a quelque chose qu'on a oublié ben dans le RIC ou ailleurs. Et il y a des groupes qui préfèrent écrire le RIC comme ça. Ce que nous sommes déjà en train de faire, c'est avec une plateforme nationale, donc un outil informatique, c'est permettre à chaque collectif qui a réfléchi à la question de proposer son article, ou ses deux ou trois articles d'institution du RIC, et que nous puissions lire les propositions des autres et voter pour choisir. On n'en est pas encore au choix final, mais c'est une première approche, c'est-à-dire en fait, moi, ce que je vois depuis 15 ans, c'est que depuis 15 ans, je fais des ateliers constituants et sur le RIC, très souvent, et ça se ressemble. Tu les mets sur le RIC, nous écrivons la même chose. La plupart des gens voudraient garder le contrôle de leurs représentants. Ils en ont marre d'être infantilisés par des institutions qui ne leur laissent aucun pouvoir. Et donc, quand il s'agit d'y réfléchir, ils instituent leur aptitude à choisir un sujet et à décider ensemble sur ce sujet. Mmh. Et donc, on écrit souvent la même chose. Et donc, ce qu'on va voir, alors peut-être que l'avenir va me donner tort, mais je trouve plausible que ces RIC écrits un peu partout sur le territoire convergent. En gros, sur l'essentiel, on va écrire à peu près la même chose. Et que finalement, ceux qui vont être le plus votés vont nous conduire à nous rassembler sur les deux ou trois meilleurs RIC, les deux ou trois RIC les plus appréciés. Si tu veux, moi je vais écrire un RIC et puis les gens vont pas beaucoup voter pour lui parce que je suis arrivé en retard, parce que les gens me connaissent pas et mon RIC il est pas, voilà, les gens ont pas voté. Mais moi je vois bien quand je regarde les RIC des autres, c'est que celui-là il ressemble quand même vachement au mien, quoi. Il y a deux trois détails, bon c'est pas exactement le mien, mais ça ressemble et je vais pouvoir, au lieu de voter pour le mien, je vais pouvoir voter vers celui qui déjà est beaucoup voté, qui ressemble au mien. Si tu veux, de proche en proche, il y a une des façons d'organiser le RIC qui va faire, alors c'est pas l'unanimité, mais qui va faire une espèce de consensus, une espèce de en tout cas une grosse majorité. Et ce RIC-là, ou les deux meilleurs RIC, on les proposerait au référendum, c'est-à-dire qu'on dirait, quel est celui que vous préférez? Est-ce que vous, et puis avec la possibilité de voter blanc en disant, mais moi il y en a aucun qui me font bien, vos RIC qui me vont pas. Si on arrive à une très large majorité qui dit, ben oui ça on le veut, et c'est plausible ça puisque à chaque fois qu'il y a un sondage pour demander aux gens, et ça fait 30 ans que ça dure ça, hein, un sondage pour demander ce que vous voulez le RIC, les Français, et je ne dis pas que les Français, hein, disent oui on le veut, ils le veulent à 80, quelquefois 80. 10, quelquefois plus de 90%, ils disent oui, c'est ça qu'on veut. Donc, c'est pas une extravagance d'imaginer que une telle organisation citoyenne, c'est pas l'État qui va organiser ça, c'est nous, hein. C'est les citoyens qui organisons cette plateforme et ce vote. Je sais pas combien de gens vont participer, hein. Alors, c'est sûr que s'il y a peu de participation, ben, ça concernera ces gens-là. Mais, si tu veux, dans l'esprit, un État digne de ce nom, si quelqu'un a été élu en étant un vrai démocrate, c'est-à-dire qu'il respecte les individualités, il respecte la volonté des gens, c'est un vrai démocrate, c'est pas un voleur de pouvoir, il organiserait un processus constituant, à mon avis, comme ça, ce serait bien, c'est-à-dire qu'il proposerait aux gens d'écrire eux-mêmes les règles de leur propre participation au processus législatif et constituant, les deux, et il leur permettrait aussi, c'est pas l'élu qui choisirait, il leur permettrait aussi, ensuite, dans un deuxième temps, de choisir parmi les deux ou trois meilleurs, ceux qui sont les plus votés, ceux qui sont les plus choisis, leur permettrait de choisir le RIC qu'ils veulent. Avec la possibilité, au bout d'un an, au bout de six mois, quand on s'aperçoit que, mince, on a oublié un truc important, la possibilité de modifier, de l'améliorer le truc encore après. C'est-à-dire que c'est pas définitif. C'est liquide. J'ai utilisé des mots que t'aimes bien parce que moi, ça me va, hein, liquide. Faut juste savoir de quoi ça veut dire, de quoi on parle. Parce que quand les capitalistes disent liquide, j'ai tous mes warnings qui s'allument, mais c'est autre chose, tu vois, quand les gens à la bourse font tout pour que leurs capitaux soient liquides, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent récupérer leurs billes à tout moment. C'est ça que ça veut dire liquide. Quand on parle d'actions et d'obligations,
Et là, ça n'a rien à voir avec le bien commun. C'est complètement, c'est de la prédation. Mais c'est pas ce que tu veux dire quand tu dis liquide. Il faut que ce soit souple. Je suis d'accord avec ça. Mais donc, quand tu dis qu'est-ce que on va faire, c'est une tâche aveugle. On va écrire le RIC. Enfin, moi, de mon côté, je quand je dis on, je pense à tout le monde, hein. Même les gens que j'aime pas. Et du coup, moi, j'entends bien. Mais il y a plein de gens à gauche. Ouais. Qui, quand ils disent on, ils pensent à leur copain de gauche. Et moi, je pense pas ça comme ça, hein. Je pense à tout le monde, hein. Alors, bah, du coup, c'est à mon tour de te dire que pour moi, là, j'ai pas de réponse à ma question. Donc, je vais la reposer. Très exactement, j'ai avancé un argument et je cherche est-ce qu'il y a un contre-argument ou pas. Et pour l'instant, là, je l'ai pas entendu, mais peut-être que tu as pas pris le temps de le développer. J'ai dit tout à l'heure, quand on est dans ce groupisme et dans ce on, dans ce nous, il y a une crypto prise de pouvoir. Tout à l'heure, j'ai écouté le protocole que tu proposes. Tu as dit sur le territoire, tu as dit. Mais et si moi je dis, moi je suis belge et j'ai envie de participer, eh ben exclu d'entrée. Et c'est là où il y a une crypto prise de pouvoir, c'est-à-dire que à la fin, quels que soient les bons sentiments des acteurs, on en arrive à une crypto prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'on recrée exactement. Pas forcément. Pas forcément. Alors, je veux dire. Non, parce que regarde, quelque chose dont je t'ai pas parlé encore, c'est que dans mon esprit, une constitution, c'est d'abord communal. Alors, c'est sûr que la crypto prise de pouvoir, elle aura peut-être lieu au niveau de la commune. Enfin, on y réfléchira tout à l'heure. Mais à mon avis, la commune. Elle a lieu quand tu dis toi-même, pour moi, ça commence au niveau de la commune. Et si pour moi, ça commence au niveau de la région ou du pâté de maison, ça veut bien dire que c'est toi qui prends une crypto prise de pouvoir. Non, pas du tout. C'est un malentendu. Je dis pour moi, parce que ça me semble la plus petite et donc la plus démocratique, la plus respectueuse de l'individu. C'est la plus petite institution, le plus petit regroupement de collectif. Tu comprends bien qu'un immeuble, c'est plus petit qu'une commune. Voilà, qu'est-ce qui empêche un immeuble d'être une commune? Tu comprends bien, si on continue, que le plus petit dénominateur commun, c'est bien l'individu. Ben non, parce qu'un individu, c'est tout seul, c'est pas une société. Il faut être deux au moins. Voilà. Plus petit, okay. Ça va être deux. Allez, un appart ou une maison, alors, si tu préfères. Ouais, une famille. Une famille, mais si tu veux, il faut que ce soit opérationnel, parce que quand tu te groupes à trois ou quatre, tu fais pas grand-chose, quoi. Hein. Ce qui fait la puissance des collectifs, c'est quand même le nombre d'individus qui y participent. Tu comprends bien là, attends, pour revenir sur le fond de l'argument, tu comprends bien que là, il y a le choix arbitraire d'un échelon. Et que ce choix arbitraire d'un échelon, c'est une crypto prise de pouvoir. Pourquoi prise de pouvoir ? C'est pas moi qui suis. Prends le pouvoir. Parce que c'est celui qui décide le cadre, celui qui contrôle le cadre contrôle l'interaction. D'accord. Là, tu proposes un cadre. Mais là, je ne contrôle pas, je le propose. Je ne contrôle rien du tout. Je n'ai pas de pouvoir. Je te fais pas une attaque de ta personne. Je dis que toi ou un autre. C'est un toit rhétorique. Je te dis que la personne qui va proposer le cadre va effectuer une crypto prise de pouvoir puisque celui qui contrôle le cadre contrôle l'interaction. Non, mais admettons. Non, mais Pascal, admettons. Mais comment tu fais? Je veux dire, là, il faut être pratique. Je veux dire, comment tu fais pour tirer parti du fait que nous aspirons à nous entraider? Je suis pétri de l'entraide de Kropotkine et de ses exemples par milliards d'entraide dans la nature, et donc y compris chez les hommes. Les institutions bien pensées, enfin, telles que je les imagine, elles nous aident à travailler ensemble. Oui, alors, il me semble que si. Allons-y. Moi, je crois que non. Est-ce que toi, puisque là, c'est toi qui affirmes, est-ce que tu peux le démontrer? Moi, je crois pas. Mais je serais envie de changer d'avis ce soir. Il me semble que si on veut, par exemple, être capable sans galérer, même sans impossibilité, si on veut être capable de se déplacer à travers ce qui aujourd'hui s'appelle la France, mais qui pourrait être la Fédération des communes France, hein. Parce que pour moi, c'est la démocratie, ça va être une fédération de communes, ce qui donne toute la souplesse qui permettra à une commune belge de rejoindre la communauté
tu vois, la fédération de communes, même des Américains, même ça pourrait même ne pas être limitrophe, c'est-à-dire qu'une commune d'Amérique latine pourrait rejoindre la France. Et c'est comme ça que j'imagine un gouvernement mondial, un gouvernement mondial liquide, mais un gouvernement, tu vois, un gouvernement, mais avec, il faut désamorcer tous les malentendus qui viendraient des définitions et du réel actuel. C'est même le mot gouvernement, d'ailleurs, je ne devrais pas utiliser ça parce que le mot gouvernement est terrible ontologiquement. Donc, je récuse, je cherche un exécutif qui fait attention à ce que le collectif a décidé et puis qui ne prend pas de décision lui-même. Donc, le mot gouvernement, il faut que j'utilise ça, pas le gouvernement mondial, mais la fédération des communes du monde, à mon avis, elle partira du bas. Si elle part du bas, elle sera démocratique et elle sera respectueuse des individus. Ben je crois pas parce que j'ai bien noté ce que tu as dit tout à l'heure. Là, tu viens de dire, pour moi, j'ai deux choses qui se contredisent. Tu viens de dire qui sera respectueuse des individus. Et tout à l'heure, tu as dit, quand tu as déroulé justement le modus operandi que tu proposais, qu'il n'y avait pas d'unanimité, qu'il y avait un consensus, enfin bon, une grosse majorité. Donc, c'est bien qu'il y a des minorités qui vont subir des choses qui ne leur vont pas, en fait. Ben, c'est pour ça que je mets la souveraineté individuelle comme le terrain de base sans lequel on ne peut rien construire de ça. Et ça demande de reconnaître que tout groupe se base sur des mythes et que la démocratie est un mythe. Pas forcément. Parce que si tu respectes bien le droit de sécession, oui. Faites attention à pas marcher l'un sur l'autre, parce que sinon ça devient inaudible pour les auditeurs. Si tu arrives à bien respecter dans chaque commune et dans chaque fédération de communes le droit de sécession, tu n'écrases jamais personne. Celui qui n'est pas d'accord, il peut s'en aller. Donc on est d'accord là-dessus, en fait. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ça a des inconvénients, hein, parce que l'expérience pratique du droit de sécession, c'est que les plus riches, après s'être enrichis, tu vois, ils montent à l'échelle en utilisant l'école, en utilisant les routes, en utilisant toutes les institutions communes pour devenir riches. Et puis une fois qu'ils sont riches, ils retirent l'échelle, ils se barrent, ils veulent plus. Alors tu vois, il y a quelque chose de déloyal. Mais à mon avis, si on a le contrôle de la monnaie, si on a laissé le contrôle de la monnaie à la puissance publique, on s'en fout que les riches se barrent. Mais qui se barrent, voilà, ils se barrent. On n'a pas besoin d'eux, en fait. Si on a le contrôle de la monnaie, on n'a pas besoin des riches. Donc c'est pas grave la sécession des riches. C'est grave que si les riches ont pris le contrôle de la monnaie, ils l'accumulent et après ils se barrent et nous laissent pauvres. Alors là, on n'a plus les moyens d'échanger et ça donne des difficultés à vivre insensées et complètement illégitimes. Mais si notre puissance publique, on l'a dotée de la création monétaire, on a plus besoin, les riches peuvent faire sécession, c'est pas grave, c'est moins grave que aujourd'hui. Ah oui, le problème, c'est uniquement s'il y a un collectif tyrannique comme l'État et la FMI, etc., et le FMI, qui contrôle la monnaie et impose la monnaie. À partir du moment où la monnaie, elle est libre, et que si jamais le riche se barre, c'est public. Mais que le reste du collectif qui reste, ben, change de monnaie et du coup le riche, il se retrouve avec sa monnaie et il n'a plus personne. Absolument. Tout à fait. Bon, donc là, on voit bien que c'est bel et bien justement la présence de l'État qui pose problème, puisque c'est lui qui impose la monnaie et qui impose là encore à quelque chose de monolithique quelque part. C'est que toi, quand tu parles de puissance publique, tu parles de puissance publique de gens respectueux qui ont respectué le truc. C'est vrai que moi, quand il dit puissance publique, j'entends le tyran. Oui, bien sûr. Je crois que tu es beaucoup plus libéral que tu ne le disais au départ. Et je me sens anarchiste, mais anarchiste qui défend l'État. Parce que, encore une fois, je ne vois pas d'autres moyens. Comment ? Qui défend la communauté que tu as choisie, en fait. Oui, et surtout les faibles. C'est surtout les faibles qui ont besoin d'être défendus. C'est surtout les faibles, moi, les faibles, c'est les femmes, les enfants, les handicapés. Si tu protèges pas les faibles, les femmes vont se faire violer, hein. Regarde les animaux, c'est la loi de la jungle, hein. Une des bases du libéralisme, c'est le respect du droit naturel, et dans le droit naturel, il y a l'intégrité physique des gens. Donc, de toute façon, l'agression physique, c'est niette, et par extension, le viol. Attends. Un droit, s'il n'y a pas une sanction, ça vaut rien. Si tu dis les droits naturels, si tu n'as pas prévu des institutions
contre les affreux qui vont pas respecter ce que tu as, toi, appelé le droit naturel, si tu n'as pas des institutions pour les faire respecter, ton droit, il vaut rien, Bastien. C'est pour ça que tu as besoin d'un État. Non, là, il y a une vraie confusion. Là, il y a une vraie confusion parce que on est d'accord qu'un droit sans moyen d'appliquer le droit, ça reste un vœu pieux. On est d'accord là-dessus. Ça vaut rien. C'est comme si on n'avait rien fait. On a bavardé. Donc ça, là, il n'y a pas de débat à cet endroit-là. Le débat, il est quand tu dis sans institution, on ne peut pas. Non, l'institution, c'est une stratégie. Il y a N stratégies différentes pour faire respecter le droit naturel. Je peux avoir un fusil à pompe dans ma voiture. Je peux avoir une compagnie d'assurance qui paye des gens qui font des rondes, enfin bref, qui finance une police, etc. Je peux avoir un collectif de gens qui… C'est de l'institution, ça. Non, mais la milice dont tu parles, c'est des institutions. Non, ça peut être des entreprises privées qui peuvent être… Mais c'est des institutions, ça. Pourquoi ? Quand c'est privé, c'est acceptable, et quand c'est public, ça l'est pas ? Non, c'est quand c'est obligatoire que ça respecte pas la minorité. C'est pas une question de public privé. C'est une question de libre contraint. Et effectivement, l'État actuellement, là encore, si tout ce que tu, parce que le problème, c'est qu'on est, depuis le début de cette discussion, on est en train de parler de deux choses différentes. Et donc, du coup, on n'arrive pas à, donc, je voudrais essayer de faire une espèce de modèle unifié de tout ce qui a été dit. Moi, je dis juste, respectons la souveraineté individuelle avec droit de sécession absolu, etc., à n'importe quel moment, voilà, et respect du droit naturel. À partir du, donc ça, c'est le droit naturel, c'est le respect de l'individu en tant qu'individu, et c'est ça, le libéralisme. Après, à partir de là, que des individus qui sont respectés dans leur souveraineté se disent, si on faisait des trucs ensemble, ce serait quand même vachement plus sympa, et qui se groupent, pas de problème, et que ensuite, à l'intérieur de ce groupe de gens volontaires, il y ait des discussions pour savoir est-ce qu'on tire au sort, est-ce qu'on refait exactement la même chose qu'aujourd'hui, est-ce qu'on se base sur le clergé, est-ce qu'on joue aux osselets, etc. Ça, à la limite, c'est le problème de chacun. Et moi, là, les goûts et les couleurs, quoi, après, tu vois. S'il y en a qui ont envie de faire l'Aïd et d'égorger le mouton dans un coin, qu'ils fassent l'Aïd et qu'ils égorgent le mouton. Si d'autres ont envie d'être raéliens, qu'ils soient raéliens, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et je n'ai pas à avoir spécialement d'avis sur comment toi, Étienne, toi, sanglier jaune, ou toi, Dom, vous avez envie de vivre. Après, on peut se parler, on peut dire, ah, moi, je voudrais faire ça, est-ce que tu veux venir, tu vois, mais c'est que des transactions respectueuses de l'autre. Non, mais attends, je vais prendre, il y a quelque chose qui m'échappe encore, hein. Prenons les choses évidentes, parce que, après ça, ça va te permettre de comprendre mon problème. Moi, j'aimerais bien qu'autour de moi, on n'ait pas le droit de tuer son prochain. Oui. C'est-à-dire que le mec qui se trimballe avec son fusil à canon scié et qui viole les nanas, qui les tue quand elles sont pas d'accord, qui va détrousser les gens, qui va, cet environnement-là me paraît moins confortable que celui dans lequel il y a un ordre qui interdit de tuer. Je prends le tuer, et après ça, ce sera volé, après ça, ce sera, mais commençons par tuer. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que c'est pas illégitime pour un groupe humain de chercher à pas risquer sa vie, comme tous ces animaux dans la nature qui ont peur de tout, comme je disais tout à l'heure, en disant il y a un ordre qui interdit de tuer. Ça va pas respecter la volonté, ça va pas respecter la souveraineté de celui qui veut tuer. Ah si, parce que non, je reste pas. Ben non, je vais la brider. Je vais brider sa souveraineté. Lui il voudrait tuer. Attends, j'explique. Lui il voudrait tuer, mais on va pas le laisser faire. On va brider sa liberté. Et le violeur aussi. On va l'empêcher. Attends, Étienne, à partir du moment où un individu dit avec ses paroles ou simplement exprime avec ses actes qu'il a aucun problème pour aller attaquer quelqu'un avec une machette, il envoie un signal très simple qui consiste à dire « je considère la violence sur une cible non violente, la violence proactive, je considère la violence proactive comme OK ». Donc, à partir de là, on rentre simplement dans son référentiel, on est totalement respectueux, à moins qu'ils ne disent « moi, je peux être violent avec les autres, mais toi, pas avec moi ». Et ça, c'est complètement indéfendable sur le plan logique. Donc, J'ai pas compris. Comment tu fais pour te protéger contre lui ? Le gars, lui, il a son canon, il a son fusil, il est très costaud, il a son fusil, et c'est une brute, c'est un tyran. Voilà. Et comment tu fais contre lui, là ? Tu fais quoi ? Nous aussi, on est équipés, il n'y a pas de raison. On est équipé, mais moi je suis pas équipé, je suis pas capable de me battre, j'ai pas d'armes, Tu peux déléguer ton équipement à une police, c'est secondaire ça.
Une police, c'est une institution, en fait. Non, mais c'était exactement ça, la police. C'est exactement ça, c'est une institution. Je vais peut-être vous reprendre la main une minute pour vous faire une petite remontée du chat et vous laisser repartir. C'est quand même passionnant ce débat. Ça fait du bien de ne pas parler du Covid, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les gens, là? En tout cas, le chat est très animé. C'est très agréable et même carrément dur à suivre. N'hésitez pas à poser des questions. Et notamment, je lance l'idée tout à l'heure, puisqu'on est avec Étienne notamment et qu'on parle de constitution. N'hésitez pas à écrire vos phrases de constitution. Pourquoi pas, si vous avez des idées, entraînez-vous, commencez. Si c'est pas bon la première fois, c'est pas grave. On est là pour commencer et pour s'y entraîner. Et comme ça, je pourrais les lire à la fin, en lire quelques-unes. Alors, il y avait une petite question à l'instant de Frédéric pour toi, Bhaskar. Les souverainetés individuelles peuvent-elles être problématiques entre elles? Et si oui, quelle souveraineté individuelle tranche? Non, les souverainetés individuelles ne peuvent jamais être incompatibles entre elles. C'est pour ça qu'elles sont toutes soumises à la logique des concepts qui détermine le droit naturel. Ok. Je développe ou c'est clair comme réponse? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. J'ai pas compris. Les souverainetés individuelles ne peuvent jamais être incompatibles. Jamais. Jamais. J'ai aucun exemple. Et je mets au défi quiconque d'en trouver. Jamais. Jamais, parce que la souveraineté individuelle, elle se base justement, la souveraineté individuelle, une autre façon d'appeler un synonyme de la souveraineté individuelle, c'est le droit naturel. Le droit naturel, c'est trois règles. C'est des droits de défendre son intégrité physique. Donc, ça veut dire pas de viol, d'agression, de meurtre, etc. D'échanger librement avec quelqu'un. C'est-à-dire, moi j'ai un truc, c'est à moi, toi tu me le donnes, je te donne autre chose, et voilà. Et donc, un tiers n'a pas arrivé à dire, ça m'intéresse. Fous-nous la paix. De droit de propriété, droit de disposer des fruits de son labeur, de son travail ou de ce qu'on nous a donné ou de etc. C'est donc avec cette définition simple, jamais deux souverainetés ne peuvent rentrer en conflit, jamais. J'arrive sur un territoire, je suis avec ma yourte, ma roulotte, ma famille, et j'arrive sur un territoire, je trouve qu'il est bien placé, il est en hauteur, donc c'est un endroit où il y a une pente douce. Non, il est à personne, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'arriver, et lui aussi il le trouve bien parce que c'est un endroit avec une pente douce, c'est un endroit où on peut décoller en parapente. Il y a une vue magnifique, je peux décoller et puis je peux me reposer. Donc pour moi c'est un endroit idéal, c'est là que je voudrais vivre. Donc c'est pas à côté, c'est pas plus bas, c'est pas derrière, c'est à cet endroit-là. Et puis lui il vient et avec les mêmes critères, il trouve que c'est bien, c'est vraiment il voudrait vivre là aussi. Mmh. Donc, tu as deux souverainetés qui choisissent leur coin de planète pour vivre. Et c'est complètement incompatible. Il va falloir qu'il y en ait un qui y accède et l'autre pas. Comment tu vas faire? Enfin, il va falloir arbitrer là, non? Il y a des tas de cas où les souverainetés vont être incompatibles. Quand le gars vient et dit, mais elle est bien ta femme, elle me plaît, ma souveraineté, c'est que ce soit ma femme. Sinon, pour l'instant, c'est avec laquelle je vis. Que la femme en question a son mot à dire. Évidemment. Oui, voilà, ou une femme qui veut son homme, enfin, bon, peu importe, je veux dire, mais. En restant sur l'histoire de la propriété, où on est deux. Je pense que le terrain est un meilleur exemple pour aller au bout de l'arbre. Le terrain est beaucoup plus pratique. Le fort qui vient avec sa. Ouais, enfin bon, le gars qui avec sa souveraineté vient, il trouve que ta fille est sympa, sa souveraineté c'est... Mais dans ces cas-là, il ne respecte pas la souveraineté de la fille en question. C'est pour ça que je pense que l'exemple avec le terrain est beaucoup mieux pour aller au bout des concepts. C'est l'état d'incompatibilité quoi, entre les souverainetés quand elles sont antagonistes, quand elles sont concurrentes sur un même objet ou sur un même... Étienne. Juste, j'aimerais que Bhaskar réponde au premier exemple que tu as pris, qui est l'histoire du terrain, où il y a deux personnes qui ont leur souveraineté de vouloir prendre ce terrain-là. Comment on gère ? Alors, il y a deux choses, il y a deux réponses à ça. Il y a une réponse historique et une réponse philosophique. La réponse historique, ça a été que les gens se sont foutus sur la gueule. On va être clair et net, c'est l'histoire de l'humanité, tout le monde la connaît, pas besoin de d'ergoter là-dessus. C'est justement quand il y a eu un conflit, il y a eu des dominants qui ont institutionnalisé après le fait qu'ils étaient propriétaires de la terre, et ça a couché les États aujourd'hui. Bon.
Et les grandes propriétés. Et les grandes propriétés, etc. Mais surtout les États, dans le sens où tous les États aujourd'hui sont des conquérants, en fait. Enfin, tous les États ont fait la guerre, quasiment, enfin, dans l'histoire de l'humanité. Là où les grandes propriétés, c'est pas dit qu'elles aient été basées sur la violence, les grandes propriétés. Toutes. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Non, c'est une intuition. Je crois. Et je crois qu'au niveau logique, tu ne peux pas, parce que c'est un argument que j'ai déjà développé sur ma chaîne, c'est que c'est la négation de la présomption d'innocence. Et donc, c'est le contraire du droit. Eh ben, on peut prendre simplement peut-être l'exemple des États-Unis, où les colons sont arrivés et ont pris par la force des territoires. Voilà. Ils ont tout volé aux Indiens. Exactement. Ça a été un génocide complet pour s'approprier des territoires sur lesquels ils étaient complètement extérieurs. Voilà. 100% de vol. Et c'est comme ça pour tout. Non, il faut le démontrer. Parce que là encore, on ne peut pas utiliser un heuristique qui consiste à dire toute propriété. Un heuristique, c'est quoi? Une heuristique, pardon. Une heuristique, c'est un raccourci mental. C'est un petit peu comme je dis, je ne sais pas, moi, les Juifs aiment l'argent, les Noirs ont le sens du rythme. C'est peut-être vrai statistiquement, encore que. Enfin bon, il semblerait que ce soit vrai statistiquement, disent ceux qui étudient les heuristiques. Mais n'empêche que ça ne va pas m'empêcher de dire une connerie si je suis face à un cas particulier. C'est quelque chose qui est peut-être vrai la plupart du temps et qui me permet d'économiser du glucose pour agir, mais qui, quand je suis face à des cas particuliers, je risque de faire ou de dire une connerie. Et c'est, on est exactement là-dedans. C'est autant intuitivement, on pourrait raisonner avec ça, autant. Quand il va s'agir d'opérationnaliser les choses pour savoir est-ce qu'on réquisitionne la propriété d'un tel ou d'une telle, les risques de voler un innocent sont très élevés. Et c'est pour ça qu'on a fait la présomption d'innocence. Et c'est pour ça que raisonner comme ça, c'est ne pas respecter le droit en tant que tel. Puisqu'il suffirait qu'il y ait un gars qui a été honnête toute sa vie, son fils a été honnête toute sa vie, son petit-fils, ils sont repassés la propriété, on va le spoiler au nom d'une intuition. C'est la négation du droit. C'est pour ça que la présomption d'innocence est si importante. Bref, pour revenir à l'argument... Mais c'est marrant parce que là, ce qui te choque, c'est la volonté de sortir d'une injustice quasi générale. Bon, je veux bien sur le quasi, hein, je veux bien que ce soit pas absolument général. Et ça te choque. On essaye d'en sortir par une égalisation des propriétés parce qu'il pourrait y avoir une injustice. Mais par contre, l'effrayante injustice de la répartition de la propriété aujourd'hui, elle te choque pas. Là, ça te pose pas de problème. La répartition des propriétés aujourd'hui, elle te pose pas de problème. Parce que pour reprendre l'exemple. Attends, Dominique. Elle me pose pas de problème dans la mesure où je m'occupe de ma vie et où si je vois un voisin qui gagne au loto ou qui monte en entreprise et qui gagne beaucoup d'argent, je suis content pour lui. Voilà, oui, je suis pas dans l'envie. Non, mais c'est pas l'envie. Ton père était esclavagiste. Il t'a transmis une énorme propriété. C'est tienne ou pas? Voilà. Et si d'aventure on a des preuves, comme dans ton exemple de l'esclavagiste, qu'il y a eu violation du droit naturel, alors là, oui, c'est scandaleux et justice doit être faite. Oui, ça c'est clair. Mais il faut des preuves. Parce que accuser des gens sans preuves, je le répète encore, c'est la négation du droit. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui le font en prétendant protéger les minorités. C'est le monde à l'envers. Dom, tu voulais dire un truc? Oui, en l'occurrence, pour revenir à cette, enfin, qui est quand même un exemple très très concret de ce qui s'est passé sur l'Amérique. Donc, tous les colons européens ont débarqué sur un territoire, se sont appropriés des terrains en génocidant les populations en place. Comment ces populations peuvent faire 200-300 ans après pour dire, mais attendez, nous, qu'est-ce qu'on est là? Et là, comment tu gères les souverainetés Comment tu peux ne pas trouver ces souverainetés incompatibles entre la souveraineté des Indiens survivants et ceux des colons Mais elles ne sont pas incompatibles. Les Indiens ont souveraineté là-dessus. Les Américains ont tort. Point. Ils sont arrivés, enfin, tort. Après, on pourrait discuter parce que toutes les terres n'étaient pas occupées par des Indiens non plus. Il y avait des zones inoccupées. Non, ils étaient nomades. Il y a des endroits au fin fond de l'Alaska dans lesquels aucun Indien n'avait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas ça dont on parle. Hein. Non, mais attends, tu me demandes, ouais. Tu me dis oui, mais pas tout. Je dis si, tout. Tout. Il y a des endroits où il n'y avait pas d'Indiens. On le sait, il y a des travaux qui le montrent. D'ailleurs, vous avez des cartes avec les... Vous voyez vraiment très, très bien les zones qui étaient occupées par des Indiens à telle ou telle ou telle époque, etc.
Donc, si aujourd'hui, il y a des gens qui sont légitimes à revendiquer le fait d'avoir été victime de violence, ils sont dans leur bon droit en termes de droit. C'est clair. Et ça te paraît pas sain de repenser la propriété foncière à chaque génération? Tu vois pas le problème que pose l'héritage avec l'accumulation dans quelques mains très peu nombreuses et la spoliation de toutes les souverainetés individuelles qui te paraissaient égales, quoi, en droit naturel, l'héritage et la possibilité d'accumuler comme ça d'une génération à l'autre, avec en plus la richesse qui crée de la richesse, puisque les riches sont de plus en plus riches sans même travailler, hein, ils sont de plus en plus riches parce qu'ils sont riches. Cette accumulation, ce que Marx appelle l'accumulation du capital, mais c'est l'accumulation des richesses, ça te pose pas un problème dans les équilibres de souveraineté individuelle? Mais parce que là, on mélange le droit et la capacité. Le droit, il est pour tout le monde. L'argent donne des capacités supplémentaires à ceux qui en ont. Mais moi, j'ai parlé que de droit, j'ai pas parlé de capacité. Et ce mélange dans le raisonnement entre droit et capacité, il est récurrent. C'est-à-dire qu'il y a, c'est, de quoi on parle? De capacité ou de droit? Il faut juste être très clair là-dessus. Moi, je parle de droit, c'est tout. Et je pars du principe que, mais je vais quand même te répondre parce que je peux entendre que ma réponse ne soit pas satisfaisante à tes yeux. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que ça, c'est un truc que j'entends très, très souvent. Vous avez un monsieur qui s'appelle Howard Bloom qui dit que chez beaucoup de gens, la justice, c'est la cristallisation des rapports de dominance. C'est-à-dire que le dominant, il va dire « Oh bah oui, c'est juste que les choses soient comme ça » et le dominé, il va dire « Ah bah non, c'est injuste là-dessus ». Moi, je pense que cette conception comme quoi la justice est la cristallisation des rapports de dominance, ça rejoint Marx qui dit en gros, les gens du prolétaire disent « C'est injuste » et puis les patrons disent « Si, si, c'est très juste ». Mais ça, on est encore dans il n'y a pas de surmoi dans ce… Il n'y a rien au-dessus. C'est juste chacun va pour ses petits intérêts et veut obtenir pour ses petits intérêts biologiques. C'est-à-dire que celui qui est pauvre veut plus, celui qui est riche veut rester riche et rester dominant. Mais il n'y a pas de principe supérieur à l'interaction avec l'autre. Et ce principe supérieur dont on a besoin pour éviter de se comporter comme un animal qui va simplement rationaliser son agressivité et ses pulsions agressives, ce principe... Bascar, on a perdu. Ah ouais, il a disparu d'un seul coup. Bon, bah dommage. Il va nous revenir. Je vais peut-être en profiter pour lire du coup des premières phrases de constitution que j'ai relevées du chat. Alors, on a eu par exemple Mamie Fifi qui nous dit phrase de constitution. Les citoyens sont seuls souverains en matière de décision, rédaction, ratification, amendement ou retrait concernant les traités internationaux déjà existants ou à venir. Ouais. Tu peux répéter s'il te plaît? Les citoyens sont seuls souverains. Ils sont seuls souverains en matière de décision. Rédaction, ratification, amendement ou retrait concernant les traités internationaux déjà existants ou à venir. Elle n'y va pas par le dos de la cuillère. Rebonjour, excusez-moi. J'étais en train du coup d'en profiter vite fait que tu étais reparti pour lire les deux, trois phrases de la constitution que j'ai reçues. Tu voulais réagir dessus, Étienne? Non, c'était pour reprendre ce que disait Bascar. Moi, j'ai noté l'article, mais Bascar était en train de dire il nous manque un principe supérieur. Oui, il nous manque un principe supérieur parce que sinon, chacun ne pense qu'à son petit intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surmoi à cet endroit-là. Et ce principe supérieur qui s'impose et qui s'est imposé dans l'histoire de l'humanité, c'est le droit naturel, justement. C'est le fait de dire que ce qui est à une personne est une personne. Parce que sinon, je vois plein de gens qui disent « Bah oui, moi, je veux un petit peu des richesses de l'autre. » Bah, tu m'étonnes, comment vouloir le contraire, évidemment. Mais dans ce cas-là, ils sont jugés partis. Et comme on le sait, quand on est jugé parti, en général, on est un petit peu moins d'objectif. Ok. Mais quand tu dis « ce qui est à une personne est à lui », c'est à lui. Est-ce que c'est bien que ce soit aussi à ses enfants? Mais le problème, c'est que ta définition du bien n'est pas la même que ma définition du bien et que par définition, il y a plusieurs définitions du bien. Et qu'à partir de là, il faut bien qu'on trouve quelque chose de commun si on veut faire société. Alors, ou alors, on part d'un mythe qui est qu'il y a un bien commun, un seul, alors qu'en réalité, il n'y en a pas un seul. Je l'ai expliqué dans une vidéo, Les ravages de l'utilitarisme, où je montre qu'il y a en réalité plusieurs optimums, plusieurs points d'équilibre différents dans une société et que chaque personne va dire c'est ça le bien. Excuse-moi, je vais en profiter pour faire participer le chat parce que j'ai eu une question comme ça pour toi justement de Sébastien Maton qui demande qu'est-ce que tu définis comme étant le commun
et comment le protéger et le défendre, du coup. Il n'y a pas de commun, il n'y a que des gens qui sont d'accord subjectivement. En fait, si, il y a un commun. Enfin, c'est les deux. Comme d'habitude, c'est les deux, justement. Et ça demande de sortir la logique aristotélicienne et de se rendre compte que les choses peuvent être en deux dimensions. Objectivement parlant, il n'y a pas de commun. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes incapables de les définir avec clarté et avec justement la charge de la preuve revient à celui qui affirme. Celui qui affirme l'existence de commun doit pouvoir le démontrer objectivement et on n'y arrive pas. Ergo, il n'y a pas de commun. Par contre, il y a des gens qui peuvent croire, considérer subjectivement que eux ont envie de donner la valeur de commun à telle ou telle ou telle chose et ces gens sont libres de se regrouper en communauté pour prendre soin de ces communs. Ben donc, il y en a alors. Pardon ? Donc, il y en a. Parce qu'en fait, tu dis… Subjectivement, c'est ce qu'on appelle un subjectif de groupe. Mais ben évidemment, oui. Mais un subjectif de groupe ne fait pas un objectif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est nombreux à croire à quelque chose que ça devient un élément objectivable. Et c'est là où il y a souvent un gloubi-boulga épistémologique où on mélange allègrement les deux et où on va justement imposer à d'autres gens notre vision subjective de groupe parce qu'en réalité, on est simplement une majorité. Et c'est là où il y a non-respect de la souveraineté des minorités et de l'individu. Et c'est pour ça que je te rejoins, Étienne, quand tu disais c'est important qu'il y ait à tout moment une possibilité de sécession. Parce que c'est ça le garde-fou ultime contre les dérives de n'importe quel organisme. D'accord, alors, alors... Étienne, je voudrais juste faire... Parce que j'ai un exemple très, très précis par rapport à ça, parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas très, très longtemps... qui est passé sur Arte, sur les problèmes de l'eau au niveau général. Donc l'eau, est-ce qu'on considère que c'est un bien commun ? Oui, non. Bon. Et tu réponds quoi, Pascal ? Si. Bien commun ou pas, l'eau ? Ton micro, Pascal. Je réponds que c'est à celui qui affirme que c'en est un de le démontrer. Mais c'est tous les humains du monde, il y a quelqu'un. Est-ce qu'on a besoin d'eau ? 90% des gens disent que l'eau, c'est un bien commun. Est-ce que l'air, c'est un bien commun ? Mais est-ce que parce que 90% des choses disent quelque chose, est-ce que c'est le cas ? Dit autrement, est-ce qu'un subjectif de groupe devient objectif ? Je dis non. Là, en l'occurrence, Pascal, alors c'est intéressant. Là, je trouve qu'il y a une chose, moi, qui m'intéresse beaucoup. Parce que l'eau, c'est vraiment quelque chose de vital pour tous les êtres humains. Oui. Oui ou non ? Donc, on peut considérer que c'est commun à l'humanité, l'eau. Comme pour pouvoir vivre. C'est un besoin commun à l'humanité. Besoin commun. Et donc, est-ce un bien commun. Une personne privée peut s'approprier ce besoin pour lui au détriment des autres. Bascar, tu vas. Alors je vais te prendre un exemple très très précis parce que c'est suite à ce reportage que j'ai vu en Afrique du Sud où ils sont confrontés à des gros problèmes d'eau. Il y a une nappe phréatique, c'est vraiment très très concret. Donc il y a la nappe phréatique et les pauvres, les gens qui sont pauvres, n'ont pas les moyens de faire des forages profonds pour aller chercher l'eau. En revanche, les personnes qui ont les moyens peuvent forer très profondément, prendre l'eau pour eux-mêmes et pour leurs besoins. Alors le pauvre, ça va être lui son besoin, le besoin commun à l'humanité, c'est de pouvoir boire, se laver, vraiment les besoins primaires de la vie, de la survie. En revanche, le riche, lui, c'est dans ce cas très précis, on voit, il fait un forage très profond qui lui permet de remplir sa piscine, d'arroser un immense jardin, etc. Ce qui a pour conséquence que les pauvres à côté n'ont plus d'eau parce que la nappe baisse. Mmh. Comment on gère ça ? De pouvoir aller se battre contre les riches. Comment on gère ? Tu peux rajouter l'exemple de Nestlé ou de Coca-Cola qui se pointent dans les pays, qui raflent toute l'eau parce que j'ai droit de propriété, quoi. Et c'est eux qui ont l'argent, donc ils ont toute la propriété. Ils achètent tout, ils raflent tout et ils laissent. Est-ce que c'est pas évidemment un bien commun et une spoliation ? C'est-à-dire que les riches, là, volent les pauvres et deviennent encore plus riches en appauvrissant, mais ça ne correspond pas au bien commun. C'est incroyable de nier ça quand même, non ? Mais c'est bien comprendre. C'est ça parce que c'est pas objectif, c'est très objectif, c'est un bien commun, l'eau. Mais si c'est objectif, tu dois pouvoir le démontrer avec des concepts par A plus B. Et ça n'est pas ce qui est fait. Là, pour l'instant, on est peut-être dans un appel à l'émotion, on est peut-être dans des violons, mais ça n'est pas objectif. Moi, je suis d'accord subjectivement avec vous deux. Pourquoi il faut prouver par des concepts ? Alors que tu m'as dit que les concepts, c'est soit tautologique, soit dogmatique. Tu les utilises, les concepts, tu me dis. Oui. Ben oui. Ben oui.
Eh ben. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, c'était tautologique ou dogmatique. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas le droit de les utiliser. Quand je parle du trilemme d'Agrippa, ce que je. Bon, alors là, il va falloir que je développe encore plus, mais à un niveau. Alors j'ai peur de perdre des gens, mais j'espère pas. Désolé. Le trilemme d'Agrippa, c'est simplement d'avoir conscience que tous les concepts sont ou tautologiques ou dogmatiques quand on les creuse. Bien. Est-ce que tu peux, je l'ai eu la question dans le chat, tu peux expliquer tautologique, s'il te plaît? Tautologique, c'est on va dire circulaire, c'est-à-dire que A entraîne B qui entraîne A qui entraîne B. Tu vois, pourquoi il est curé? Parce qu'il est plus proche de Dieu. Mais comment on sait qu'il est plus proche de Dieu? Bah, c'est parce qu'il est curé. Et puis, comme ça, puis ça mouline. Voilà. C'est comme quand tu regardes le dictionnaire. Tu regardes une définition, ça te renvoie une autre définition qui te renvoie à la première. Ça tourne en rond, si tu veux. Voilà. L'administration donc, française. C'est pas moi qui l'ai dit. mais donc, OK. Ça, c'est le cas de toute approche conceptuelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les approches conceptuelles se valent. Ça, ce serait faire ce qu'on appelle du relativisme absolu. Et ça, c'est incohérent en termes de logique. Donc, vous allez avoir des narrations que j'appelle, moi, pré-rationnelles. Les narrations pré-rationnelles, ce sont des choses qui ne passent pas la démarche scientifique, qui ne passent pas le test de la rationalité. Par exemple, j'en sais rien, moi, j'ai la fièvre, je prie le dieu du vent et hop, j'ai plus la fièvre. Donc, on est dans des rituels magiques, dans des croyances, etc. Une approche rationnelle qui peut être scientificisée, que ce soit au sens de la science académique ou de la philosophie prise en tant que science, et une approche transrationnelle qui va donc du coup intégrer le pré-rationnel avec rationalité. Donc, le message essentiel dans ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que toutes les concepts sont liés au trilemme d'Agrippa, que tous les concepts se valent. C'est important. Bon, alors, revenons à notre preuve. Preuve par les concepts, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'arrive pas à prouver en disant que l'eau est un bien commun? Démontre-le. Mais tous les humains ont besoin d'eau. Oui, mais là, je suis d'accord avec la phrase qui dit « tous les humains ont besoin d'eau ». Mais l'eau, qui correspond à ce besoin vital, devrait être considéré comme un bien commun. Enfin, c'est ta subjectivité. Et ça te paraît pas universel, non, ça? Non, moi, subjectivement, je suis d'accord avec toi. Mais si je suis rigoureux au niveau des concepts, si jamais je sors de mon affect que je partage avec toi, si je rentre et que je suis en mode rigueur intellectuelle, non, ça n'est pas rigoureux. Et c'est c'est important. Parce que tu te rends compte que ton mode rigoureux, il favorise les puissants. Est-ce que tu te rends compte de ça? La rigueur, elle est la rigueur. C'est comme si tu... Oui, mais, la rigueur, elle est ce qu'elle est. C'est le principe de la science. C'est comme si tu disais, tu te rends compte que ta science, elle favorise les puissants. Mais ce n'est pas le propos. C'est juste que la science, elle aura raison à la fin, etc. Tu vois, non, je sais que ce n'est pas ce que tu as dit. Ce que je dis, c'est que tu réintroduis un conflit entre les pauvres et les puissants. Au passage, on ne sait pas à partir de combien d'euros on est impuissant. Tu vois, c'est là encore des trucs flous, parce que ça nous permet nous-mêmes de nous sentir dans une opposition à quelqu'un qui n'est pas nous. Et non, c'est pas ça, Pascal. Si, un peu quand même. C'est vraiment, il y a vraiment une différence d'approche, quoi. Moi, je cherche un outil. Oui. Et si c'est un outil qui m'en prive, si tu me parles d'un outil qui m'en prive, je vais pas me laisser faire, quoi. Je cherche un outil qui empêche les accumulateurs de signes monétaires, ça peut être des signes de propriété, des signes de propriété terrienne. Je cherche des mécanismes qui empêchent les accumulateurs de dominer. Tu vas empêcher l'arbitraire. Parce que je trouve ça injuste. Je trouve ça très profondément injuste. La justice te donne légitimité à violer le droit naturel d'autrui. Il n'y a pas de droit naturel à voler l'eau. Okay. Parce que c'est un bien commun. Mais tu l'as pas dans le droit naturel. Tu l'as pas démontré. Mais qu'est-ce que tu considères comme le droit naturel? C'est quoi le droit naturel? Vas-y, dis-moi. Dis-moi trois règles. Je me répète. Vas-y, le droit naturel. Qui sont la libre possession. Tu m'as mis droit de propriété. C'était trois. Ouais. Attendez, Étienne Bascard, deux petites secondes, je vous ai coupé les micros parce que là, vous parlez trop les deux en même temps. Même si c'est juste pour dire un petit mot, de l'extérieur, on comprend pas du tout. Donc, essayez vraiment de faire l'un après l'autre. C'est super intéressant, mais faites un petit peu plus l'un après l'autre. Vas-y, Bascard, reprends ta VR.
Mais, le droit naturel. Ah non, alors vas-y, Étienne. Mais parce que c'est pas la peine de reprendre les trois. Prends-en un seul, droit de propriété. Moi, c'est celui-là qui me choque le plus dans le droit naturel. Tu mets le droit de propriété dans le droit naturel, prouve-le que c'est un droit naturel. OK. À mon avis, c'est plus difficile à prouver que le fait que est un bien commun. Pas de problème. Le droit naturel, le droit naturel à la propriété, c'est simple. C'est que la propriété d'un individu est la conséquence de l'énergie qu'il a, en tout cas à la base, dans l'histoire de l'humanité, je parle. Hein. Quand il a hérité, non. Hein. Attends. Étienne, sois bon joueur, laisse-moi finir mon argument, parce que là, tu m'en empêches. Qu'est-ce que c'est que ces manières, enfin. Oui, allez, vas-y. Est-ce que je peux t'avoir en mode cerveau ouvert et pas en mode cerveau, je saute sur Bhaskar avant qu'il ait fini même son complément d'objet direct? C'est pas, j'ai rien contre Bhaskar, je te trouve super. Mais l'idée que tu défends que le droit de propriété est naturel, alors que l'idée que l'eau est pas, fait pas partie, l'eau bien commun fait pas partie du droit naturel, ça, ça me hérisse, mais c'est pas toi. J'entends. Non, mais j'entends bien, t'inquiète pas, c'est une façon de, on joue et tu le sais. Alors déjà, une parenthèse, le droit naturel, c'est un très mauvais mot naturel, c'est un mot à la con, ça n'a rien de naturel. Il faut comprendre que droit naturel, ça a été appelé comme ça parce qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que ce droit venait directement de Dieu et de la nature des choses. Ils se sont rendus compte avec les années que non, le droit est resté, mais il faut surtout pas entendre naturel au sens courant du mot naturel dans droit naturel. C'est un très mauvais terme, mais malheureusement, c'est le terme consacré historiquement, donc voilà, je le garde, mais je suis d'accord que c'est à la limite, il faudrait changer ça, mais bon. C'est tellement répandu que ça peut s'expliquer puisqu'il s'agissait en fait de dire que les droits, avant qu'on parle de droits naturels, les droits étaient attachés à une allégeance. Ça venait du droit féodal. Il fallait, quand tu dépendais d'un seigneur, tu avais des droits et des obligations, et le droit dépendait de la collectivité dont tu dépendais. Donc, alors que quand on dit droit naturel, on cherche, et c'est un objectif de justice universelle, quoi. On cherche à donner à tous les êtres vivants, quel que soit le collectif auquel ils appartiennent, un minimum de droits qui leur protègent, qui protègent leur dignité. Et là-dedans, il y aurait le droit à l'eau. Toi, Étienne, je suis d'accord subjectivement. On n'est pas en train de discuter de la subjectivité. Il n'y a pas de débat. On est d'accord, toi et moi. On est en train de discuter de l'objectivité de la chose. Et là, par contre, on n'est pas forcément d'accord. J'ai l'impression que ça t'emmerde, ce distinguo subjectif-objectif. Oui, parce que l'objectivité du droit universel à l'eau me paraît, enfin, même si j'arrive pas à le démontrer, c'est pas parce que j'arrive pas à le démontrer maintenant que ça paraît facilement démontrable. Ça paraît logique. Enfin, si on respecte les individus, on fait vachement attention à ce qu'ils aient le minimum vital. Je suis pas bien riche dans la vie, mais je t'offre 1000 euros si tu arrives à me le démontrer. Parce que moi, ça fait 15 ans, j'ai déjà offert. Non, mais vraiment, c'est une bonne manière d'avoir une réponse, parce que moi, j'adore trouver sur des gens qui me contre-argumentent, tu vois. Voilà, donc je prends acte devant les spectateurs aujourd'hui. Voilà mon offre, parce que pour l'instant, tu n'es pas capable de le démontrer. Moi, ça fait 15 ans que j'essaye et que je ne trouve pas. Et a priori, donc, en philosophie, fait beaucoup plus longtemps qu'on essaie de le démontrer, qu'on trouve qu'on y arrive. Démontrer que l'eau est un bien commun, objectivement. Même démontrer la notion même de bien commun, si tu veux. Mais moi, je me suis engagé pour l'eau, mais je pense que c'est. Est-ce que tu peux définir un protocole pour ce que tu considérais comme une preuve pour ça? Alors, oui, enfin, faudrait essayer, mais c'est pas. Quelque chose qui soit logique au niveau des concepts et pour lequel il n'y ait pas de prémisse viciée, foireuse ou qu'on peut démonter en 5 minutes. Parce que là encore, la notion de bien commun, ça présuppose la notion de commun, ça demande, et on repart dans le groupisme, et on repart dans le biais cognitif de groupisme que j'ai dit tout à l'heure, qui est que les gens pensent que les groupes sont un ensemble homogène, etc. Or, c'est faux. Quand on regarde, c'est faux. Ce sont des abstractions. Mais quand on va interroger chaque membre d'un groupe sur c'est quoi le groupe, vous allez avoir plein de réponses différentes. En gros, chacun est dans sa transe hypnotique, pense que tout le monde est dans le même monde, mais quand tu regardes et que tu testes scientifiquement, ça marche pas. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Je remets en cause la notion de collectif qui est fondamentale dans ta pensée, en fait, Étienne. Objectivement, les communautés existent. C'est un fait. Tous les humains se groupent. La définition d'un collectif en sociologie, c'est collectif, c'est ensemble d'individus qui a suffisamment d'homogénéité pour mériter ce nom. C'est tautologique.
Donc c'est un modèle, c'est un bon modèle. Je ne suis pas en train de dire que c'est un très bon modèle. Je dis que c'est un modèle et que ce modèle n'est pas le réel. Et que quand on dit existe, mais on c'est le réel. Il n'y a pas d'humains qui vivent en dehors d'un, enfin très très peu quoi, qui vivent en dehors d'un collectif. Ah ouais, c'est cette nuance que je pointe. C'est cette nuance que je pointe. Et alors, c'est pas parce qu'il y a des exceptions qu'il n'y a pas de règles. Enfin, je comprends pas. Les humains, la plupart des humains se regroupent et gèrent l'eau ensemble parce que ça marche beaucoup mieux. Oui. Et que quand on gère pas, il y en a quatre qui le volent et plus personne en a. Eh ben, les humains, ils s'organisent en écrivant que l'eau, c'est commun, c'est la régie. On la gère ensemble. Et ça marche beaucoup mieux. Et ça se passe comme ça partout sur Terre. Oui. Et sauf que les capitalistes, ils sont venus en disant, non, maintenant, il y a le droit de propriété, c'est le droit naturel, et l'eau, c'est une marchandise comme les autres, la monnaie, c'est une marchandise comme les autres, le travail, c'est une marchandise comme les autres, et bientôt, les humains, c'est une marchandise comme les autres. Mais allez vous faire foutre avec ce droit naturel qui met la propriété avant les communs, bon sang, bon sang. C'est pas toi, que j'engueule. Tellement de sympathie parce que j'entends le petit Antoine qui fait « Mais vous m'emmerdez !» Etienne, fais attention parce que du coup, ça sature dans les oreilles. Merde. Ah non, mais attendez, on est arrivé. Alors moi, je suis super fier d'avoir eu Étienne. On te reproche souvent d'être très calme, de parler doucement, d'avoir vécu ça chez moi. Je suis très content. Bienvenue dans la forêt du sanglier. L'endroit tu vois, je suis en transitique là. Oui, c'est ce qu'on appelle un nexus. Un nexus, c'est quelque chose qui est un impensé, un impensable. J'en parle sur ma chaîne. Et ce sont des choses. Moi, mon taf, c'est d'amener les gens qui le veulent. Bon, là, on est borderline. Tu m'as pas activement demandé. Mais à aller dans des endroits d'impensé. Pardon. Est-ce que je peux intervenir? Parce que j'aimerais continuer là-dessus. Parce que je trouve qu'il y a une réflexion que je trouve intéressante. L'eau, est-ce que tu considères que c'est un bien? Déjà par rapport à ça. On peut considérer que c'est un bien, c'est un modèle. Moi, je suis aussi à l'aise dans les discussions avec c'est non, un bien. Mais c'est juste sur le vocabulaire. Est-ce que l'eau, on considère que c'est un bien? Si tu veux, allons-y. Considérons que c'est un bien. Si tu as besoin de ça pour dérouler un modèle, allons-y. Voilà. Je peux accepter cette axiomatique, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est juste poser ça, on est d'accord. On est d'accord également sur l'axiomatique que l'eau est un besoin vital pour l'être humain. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut considérer que l'eau est un bien commun? Puisque tous les hommes ont besoin de l'eau. Tu passes du besoin au bien. Je déroule. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que tous les êtres humains ont des besoins sexuels, même les handicapés? Oui. Bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que la chatte des femmes est un bien commun? Vous voyez c'est bien qu'il y a un problème de logique. C'est pas bien. Non. Vous comprenez c'est que vous passez, il y a un glissement au niveau épistémologique. C'est que vous partez du principe que parce que les gens ont des besoins, alors ils ont des droits qui leur permettent de les satisfaire. Vous voyez ce que là? Et ça, vous devez le démontrer, les amis. Ah ben, le fait d'avoir besoin de boire pour vivre, ça me paraît une évidence, non? Oui, ça, oui. Mais vous voyez, c'est génial, parce que avoir des besoins sexuels, c'est pas du tout quelque chose de vital. On peut ne pas satisfaire, entre guillemets, ses besoins sexuels et toujours vivre. Oui, avec les dégâts psychiques qu'on connaît, hein, mais oui. Non, mais ça, on est d'accord. J'entends. Ne pas boire ou ne pas respirer, tu n'y as pas très très longtemps. Quoi. Et donc, le commun des mortels. La question, c'est est-ce que le besoin donne des droits? Ça dépend, pas n'importe lesquels, mais il y a des besoins qui donnent des droits. Oui. Et alors ça, c'est philosophiquement, c'est intéressant, parce que comment on sépare les besoins qui en donnent et les besoins qui n'en donnent pas? C'est ça qu'on négocie ensemble, à mon avis. C'est à ça que sert une constitution, c'est à ça que sert une société. Ça sert à discuter ensemble pour justement dire ça et ça et ça et ça, c'est des biens communs. Mais si on discute ensemble, ça veut dire qu'on trouve simplement une subjectivité de groupe. Oui. Mais c'est ce qui se passe partout sur Terre, Bascar. C'est ce qui se passe partout sur Terre. Faut prendre le bouquin d'Ostrom, tu sais, Elinor Ostrom. Le prix Nobel d'économie, c'est plutôt une mauvaise référence, mais c'est une pointure qui a réfléchi sur les communs et qui montre que partout sur Terre, les humains
c'est factuel. C'est peut-être subjectif, oui, mais c'est pas mal parce que c'est subjectif. Mais objectivement, les humains aiment à créer des communs et ils les gèrent de façon extrêmement différente entre le Japon, l'Europe, mais ils les gèrent toujours bien eux-mêmes. Oui, c'est et c'est ça. Pas tout les biens communs. Alors je comprends pas la négation de l'existence des biens communs, mais c'est une aberration. C'est complètement anti-humain. C'est des gens qui prétendent être rigoureux là, qui construisent des trucs complètement chimériques qui correspondent pas au réel. Le réel, c'est que les humains fabrique des communs, et c'est pas du tout tyrannique, c'est anti-tyrannique. Quand alors, ils décident de gérer leur eau, c'est pour pas avoir un tyran qui vole l'eau. Ludo, tu peux me garder la remarque de Patrice pour tout à l'heure, parce que je pense qu'elle vaut vachement le coup. Je vais quand même répondre à Étienne, mais on la garde parce qu'elle est vachement importante quand même. Oui, absolument. Oui, mais t'as raison, Étienne, dans le sens où bien sûr que tous les êtres humains font ça de fait, évidemment, ou l'immense majorité. C'est pour ça que je m'inquiète pas pour les communs. Parce que. Mais non, mais tu prétends qu'ils n'existent pas. Mais mais non, ça tombe bien, on a enregistré la vidéo, tu pourras me ressortir un truc, je n'ai jamais dit ça, et ça c'est un problème d'épistémologie. Tu m'as promis 1000 euros si j'arrivais à donner une définition d'un bien commun objectivement. Mais ça veut pas dire que j'affirme l'inexistence. Demander à quelqu'un de prouver l'existence de quelque chose, c'est pas la même chose que prouver l'inexistence, c'est un problème épistémologique ça. Non, mais si ma démonstration, ça consiste à dire, à apporter une étude scientifique d'observation des humains qui montre que partout sur Terre, les humains créent des communs. C'est pas une démonstration d'existence, ça? Ça montre qu'il y a des humains qui croient à des communs. Ça ne démontre pas. T'as partout sur Terre, à toutes les époques. Mais c'est pas ça l'objectivité. La notion d'objectivité, c'est quelque chose qui existe indépendamment. Non, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert là? Ton réquisite d'objectivité, il te sert à quoi là? Il sert à légitimer. Souviens-toi que le slogan avec lequel tu as commencé tout à l'heure, c'est il n'y a pas de bien commun. C'est-à-dire que ça, c'est fou, c'est ça qui est problématique avec les néolibéraux. Alors, je ne sais pas si tu es néolibéral, hein, mais enfin, moi, je raccroche ça parce que je le lis chez Rothbard, je le lis chez Hayek, je le lis chez. Le problème, c'est que ces gens-là. Et tu vois, Thatcher, elle nie les communs. Et elle les détruit tous. Ce que fait Macron, c'est qu'il détruit tous les communs. Tout va devenir propriété privée. Fuck! Mais c'est parce que, justement, si on veut que les communs s'imposent à tous, on doit, ou alors, prouver leur objectivité. L'eau boue à 100 degrés, ça s'impose à nous tous. Parce que c'est une notion objective et que, bah, on discute pas là-dessus. Pourquoi prouver leur objectivité? Pardon ? Eh ben, que l'eau soit vitale à la vie, c'est aussi une objectivité, ça. Non, mais fini. Ou bien quoi, alors ? Ou prouver leur objectivité, attends, ou... On va y revenir, attends, je termine. Donc, attends, ou prouver... C'est... Voilà. Ou alors, pour qu'il y ait une vision des communs comme ça qui s'impose à tous, il faut ou qu'on prouve l'objectivité, a priori, pour l'instant, on ne sait pas le faire, ou alors que tous les membres d'un collectif, 100%, d'accord. Le ratifient. Pourquoi 100%? S'il y a 80%, c'est les communs, c'est 80%, et les autres sont des étrangers. Voilà, pourquoi il faut que ça soit 100%? C'est une conséquence logique de ce postulat, Étienne, parce que moi, oui. Si jamais on est d'accord pour dire que 80% d'un groupe humain, et on ne sait toujours pas comment on les forme, hein, parce que pour l'instant, c'est arbitraire le choix d'un groupe, que 80% d'un groupe humain est d'accord sur un truc, ça suffit, mais ça revient à légitimité de toutes les tournantes du monde, ça veut dire pourquoi que si jamais... Ben, s'il y a 10 personnes qui sont d'accord pour violer une nana dans un coin, ben, ils sont majoritaires. S'il n'y a pas de surmoi, s'il n'y a pas de droit naturel, si c'est le groupe qui fait le droit, ben le groupe, il a dit, voilà, c'est la logique sacrificielle qui a lieu sur tous les sacrifices humains depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'on a besoin d'un principe supérieur dans le droit. Là, est-ce que tu es d'accord? Parce que toujours avec cet exemple... Je suis d'accord avec ça, parce que là, je cherche à l'éviter comme toi. Je veux pas du tout ce sacrifice, évidemment. Hein, Conséquence logique de ton modèle, où tu n'as pas tiré toutes les conséquences logiques de l'axiomatique que tu as proposé. Non, parce que justement, dans les... Le fait de dire que l'eau, c'est commun, c'est un besoin, donc un bien commun à l'ensemble de l'humanité pour pouvoir vivre, je ne vois pas en quoi c'est subjectif. Tu n'as pas démontré comment tu passes de besoin à bien, je l'ai déjà dit. Mais c'est marrant quand même, parce que le fait que les gens soient privés d'eau, ça ne pose pas de problème. Et par contre, le fait que les... Ça ne me posait pas de problème. Ah ben si. Mais non, je n'ai pas... Mais
Mais nom de Dieu! Non, je n'ai pas dit ça! J'ai même dit le contraire! J'ai dit que subjectivement, j'étais d'accord avec toi. Donc, c'est bien que, dans mon cœur, ça me pose un problème. Simplement, quand il y a quelque chose qui provient de mon cœur et de mon empathie pour un autre être humain, je ne fais pas passer ça pour des concepts robustes. C'est tout! C'est tout! Non, mais, Pascal, moi, ce que je dis simplement, alors, je vais le redire autrement, dis-moi s'il y a une faille. Vas-y. Il me semble que les humains devraient se parler entre eux pour organiser les collectifs contre les États actuels qui ont tout volé et qui sont en train là de tout privatiser, c'est-à-dire de voler les communs. Les libéraux, depuis Cromwell, là, ils ont volé les communs, depuis les enclosures. Les humains aujourd'hui, pour s'émanciper, devraient reprendre la discussion constituante qui constitue le collectif, de façon à réétablir les communs qui sont maintenant pratiquement tous détruits, réétablir les communs de façon subjective, majoritaire, parce que les riches d'aujourd'hui ne vont pas accepter ça, ils ne vont pas accepter que l'immense majorité, que les 99% recréent des communs, les 1% ne vont pas accepter ça, il va falloir leur passer sur le corps, en tout cas il va falloir contredire leur souveraineté, oui, mais il me semble que les 99% partout sur Terre devraient respectueusement, sans préjuger des choix qu'ils vont faire de société, de gauche, de droite, mais devraient discuter sur une base nouvelle, les communs, et je ne considère pas ça comme une impossibilité du tout, je trouve ça même une nécessité. Et ça va être subjectif, et il y aura des gens qui seront pas d'accord, et ceux-là feront pas partie de notre communauté, et ben tant pis, ce seront des étrangers. Mais je veux dire, le fait que nous n'arrivions pas à l'unanimité, ce qui est de plus en plus difficile avec la taille, plus la taille est grande, plus l'unanimité est impossible, le fait que nous n'arrivions pas à l'unanimité ne doit pas nous interdire d'accéder au commun, de penser subjectivement à des communs. J'ai une proposition, moi, pour ça. Tu connais la sociocratie, Étienne? Oui, ouais. C'est bien la sociocratie, c'est des techniques de négociation collective pour approcher d'un commun, approcher d'un intérêt général, d'une volonté générale. Moi, je trouve ça passionnant d'avoir une approche sociocratique parce que c'est une des façons que je connais qui est la moins sacrificielle, voire qui peut ne pas l'être du tout. Parce que tout à l'heure, tu me parlais de majorité. Moi, je suis vraiment contre la majorité. Une des choses que je trouve intéressante dans la sociocratie, c'est qu'elle fonctionne par consensus. Enfin, très exactement par consentement. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans des trucs d'experts. Ouais, mais voilà. C'est, en gros, il faut que tous les membres, enfin, que aucun membre dans le collectif n'ait d'opposition, etc., à ce qu'un truc soit pris. Donc, là, on a la garantie qu'aucun être humain ne va être sacrifié dans le process, même s'il fait partie. C'est faux. Alors, vas-y, pardon, vas-y. Alors, je reprends mon exemple d'Afrique du Sud, ça m'a tellement frappé cet exemple, ouais. Où tu voyais effectivement des grandes propriétés en plein du Cap qui pompaient toute l'eau pour elles, pour avoir leur piscine, etc. À côté, les pauvres n'avaient plus d'eau pour boire, pour se laver, etc. Je doute que celui qui est au milieu, puisque c'est la réalité, il n'avait absolument pas envie de renoncer au droit de continuer de pomper toute l'eau dont il avait besoin au détriment de tous les autres autour de lui. Du coup, là, pour avoir le consentement de tout le monde, c'est impossible. Lui, il en a rien à... Eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent garder leur niveau de vie avec la piscine, l'arrosage automatique, même si les autres crèvent autour d'eux. S'il n'y a pas une majorité pour leur tordre le bras, comment on fait? Parce que là, ils pompent dans une nappe qui est souterraine, qui est commune à tout le monde. C'est et paisible, comme eux, ça on le plus de puissance pour aller chercher l'eau, ça assèche pour les autres. Je vais te renvoyer une question là-dessus, oui. Dom. Oui. Tu avais posé comme axiomatique que les gens du peuple n'avaient pas les moyens financiers ou techniques d'accéder à cette nappe et que lui les avait seuls, c'est ça? Oui. Bon, ben, très bien. Imaginez que vous empêchez ce mec-là d'avoir accès aux ressources. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs crèvent de soif aussi. Comment ça? Donc ça veut non, bien non, dire. Non, pas du tout. Pas ah, du tout. Excuse-moi, c'était l'axiomatique que tu as mis tout à l'heure, mais vas-y, rectifie. Alors, j'explique. Tu as la nappe qui a un certain niveau. Oui.
si tout le monde prend juste ce dont il a besoin, la nappe se refait et elle reste à ce niveau-là. Il y a des sources, il y a des sources et des rivières. Qui pompe 10 fois plus que les autres, la nappe baisse et du coup les autres sont séchés. Ça assèche les sources. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. D'accord, excuse-moi, je comprends mieux l'exemple. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle, justement, en droit naturel, une externalité négative. Et ça se plaide sans problème devant les tribunaux. Et a priori, ils risquent pas de gagner puisque ça a des impacts prouvables, démontrables, de baisse du truc depuis qu'ils ont pompé. Donc ça, c'est devant un tribunal que ça se gère, clairement. Mais pour prendre l'exemple. D'où la nécessité d'avoir des institutions pour pouvoir gérer ce genre de choses. Mais pour prendre l'exemple qu'il disait Dom, où tu commençais à comprendre, c'est ce que j'avais compris aussi, c'est-à-dire que la nappe phréatique est basse et les gens qui la cultivent, etc., sont pauvres, n'arrivent pas à y accéder parce qu'ils n'en ont pas les moyens et il y a un riche qui arrive, qui y accède. Ben, moi, je trouve qu'il sort du bien commun et il sera bien question que, justement, c'est là l'intelligence collective de pouvoir avoir quelqu'un qui a des ressources et qui vient faire profiter ceux qui ne pouvaient pas en avoir. C'est là où on est intelligent d'être en communauté et de penser bien commun parce que quand il va la sortir, il va pouvoir en prendre pour lui peut-être un peu plus parce que oui, c'est lui qui en a les moyens. Mais s'il n'y a pas des règles quand même pour définir. Moi, je suis d'accord avec ça. Subjectivement, je suis d'accord. Et d'ailleurs, dès que j'ai un petit peu de ressources, si je peux aider, tu vois, moi, je suis psy. En ce moment, avec le coronavirus, il y a des soignants qui sont en plein burn-out. Je leur offre des séances de psy gratos, tu vois, parce que je suis confiné comme un con chez moi et que si je peux donner un petit peu à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Moi, subjectivement, je suis d'accord avec vous. Par contre, là où je suis lucide sur le truc, c'est que cette définition du commun que tu as eu, on la partage nous quatre. Mais qu'est-ce qui me dit que le mec qui arrive avec sa foreuse, il la partage? S'il la partage, on n'a aucun problème. Et s'il la partage pas, est-ce que le fait qu'on ait une subjectivité de groupe nous quatre, ça nous légitime dans l'usage de la violence sur autrui, alors que cette personne n'est pas proactivement violente? Et si jamais elle l'est réellement parce que elle impacte sur les autres, comme je le redis, c'est une externalité négative. Et dans ces cas-là, tribunal. Mais tribunal, ça veut dire qu'il y a une police pour exécuter le tribunal. Je ne comprends pas que tu sois d'accord avec le tribunal pour respecter la propriété et que, tu vois, tu étais d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu dis c'est le tribunal qui va régler le problème. Donc, c'est un tribunal avec une police, c'est une violence, ça. C'est la violence. Comment c'était la violence chimiquement pure? Comment il y a le pur produit de la violence collective? Un tribunal, c'est une institution. Mais non, justement, c'est là où c'est l'aspect monolithique de l'institution, moi, que je remets en cause. Moi, je parlais tout à l'heure de structure liquide. Pourquoi vouloir institutionnaliser quelque chose de liquide? Mais tu acceptes tes tribunaux. Comment? Tu acceptes tes tribunaux. Mais non, mais c'est pas liquide. Mais si, des tribunaux liquides. C'est-à-dire, c'est pourquoi vouloir institutionnaliser quelque chose quand on peut avoir des structures liquides? La réponse, elle est claire, c'est de l'économie cognitive. L'institution, dans l'histoire de l'humanité, a un immense avantage, c'est l'économie cognitive. J'ai un problème, je vais voir le prêtre du coin, il va trancher entre nous deux. Alors que dès qu'il y a liquidité, ça demande plus de glucose, c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens veulent des institutions. Et c'est ce que n'ont pas compris énormément de gilets jaunes aujourd'hui qui disent plus de démocratie, plus de démocratie, plus de démocratie, parce qu'ils se rendent pas compte que ce qu'ils veulent va faire plus de la même chose, comme dirait Vaslavik. Et ça risque fort, à mon avis, de recréer les mêmes effets pervers, parce qu'il n'y a pas de changement de paradigme total. Et un des changements de paradigme total, c'est le respect de la souveraineté individuelle et c'est l'accès à des structures liquides. Structure liquide, tu penses qu'au tribunal d'arbitrage, c'est ça, c'est... Par exemple, pourquoi pas? Ça veut dire de permettre à la variété de l'humanité, aux stratégies mixtes de se déployer, à la variété de l'humanité de se déployer. Ça veut dire permettre à deux personnes qui sont en désaccord d'aller voir leur voisine et que la voisine tranche. Ça veut dire permettre de payer des tribunaux privés. Ça veut dire permettre des tribunaux d'arbitrage. Ça veut dire permettre aux compagnies d'assurance des différents acteurs de se mettre d'accord elles-mêmes sur un tribunal. Ça veut dire, et de laisser la variété de la vie être. Et dans ces moments-là, on va avoir un formidable laboratoire de ce qui fonctionne ou pas, avec un retour du terrain, mais d'une richesse incroyable, qui va nous améliorer notre vie à tous, à très court terme. Parce qu'on aura beaucoup plus on va mettre plus d'input et d'output, on va avoir plus de circulation d'énergie dans tous les sens. C'est une forme de gouvernement agile, si tu préfères. Tu peux l'appeler agile si tu préfères. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est des questions de niveau de réalité. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'agilité et qui disent « Ah, il faut que tu te dépêches, etc. » et qui réintroduisent des formes de pensée institutionnelles dans l'agilité parce que c'est à la mode et ça fait bien de vendre de l'agile. Mais c'est pas ça, l'agilité. Statique, ouais.
C'est statique, voilà, ils réintroduisent du statique parce que c'est plus facile à penser le statique. Alors que la vie, c'est le mouvement, et que dès que ça devient statique, c'est la mort. La mort, c'est la guerre. L'objectivement, c'est le statique par excellence, quoi. C'est ça. Et voilà. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est très très compliqué pour la plupart des personnes de fonctionner dans cet esprit-là. Donc ça demande un gros effort. J'en suis tout à fait conscient, mais bon. Si on ne le fait pas, on peut continuer de sacrifier des gens. Absolument. Oui. Non mais. C'est marrant parce que quand tu dis quand on sacrifie un riche pour que 99% ne crève pas de soif, ça te choque, tu dis putain, c'est le sacrifice. Et quand c'est le sacrifice des droits d'un être humain, moi je m'en fous de combien il a son compte en banque. C'est pas qu'il s'en fout, c'est pas son compte en banque qui pose problème, c'est le fait qu'il pique toute l'eau. Si c'est pas un bien commun, il va piquer toute l'eau, parce qu'il est riche, il est facile, il peut le faire, c'est ce qu'il faut. Je suis pas en train de faire référence à un mec qui pique l'eau à tout le monde. J'ai dit au contraire qu'il fallait qu'il soit traîné devant le tribunal. On va pas repartir dans une logique de camp avec toi contre moi. C'est pas du tout ce que je dis. Non. Oui, non. C'est pas rigoureux. Ouais, j'ai bien entendu. S'il te plaît. Non, c'est Étienne, je crois que tu veux me ramener dans une espèce de truc binaire avec la défense des riches, la défense des pauvres, tu vois, une espèce de conflit comme ça. Non, je mets beaucoup plus de nuances dans ce que je dis, vraiment. Hein. Pour moi, le fait que quelqu'un soit riche n'est pas du tout dans les droits les plus importants à protéger. Le fait que qu'une propriété existe, je comprends que ce soit important, ça. C'est la petite propriété de ce qu'on utilise, la propriété de sa maison, de son terrain, comme les oiseaux font un nid pour être à l'abri de l'éviction, quoi, tu vois, être la maître de sa famille, c'est la possession, exactement, c'est le mot qu'utilisait Proudhon, qui contestait la propriété, qui a fini par l'accepter parce qu'il l'a réduite à, il a parce réussi à la comprendre, mais c'est vrai qu'il avait tort. Et il a commencé à comprendre que les gens en avaient besoin et qu'il fallait garder le concept, mais le limiter, en fait, et que le limiter à la possession, en fait, à ce qu'on utilise. Oui. Mais mettre le droit de propriété inviolable et sacré dans les droits naturels, comme a fait la Déclaration des droits de l'homme, c'est littéralement permettre, d'un côté, l'accaparement, du côté des 1%, et de l'autre côté, l'exploitation, la misère et la dépossession de tout du côté des 99%. Parce que progressivement, les riches vont tout prendre. Alors, en mettant ce droit-là en premier, au lieu de mettre les biens communs en premier, se faire tout piller. Eh ben, je résiste. Ouais. Non, mais je partage ton analyse là-dessus. Et je crois que je suis beaucoup plus optimiste là-dessus, parce que c'est là où ça me semble important de faire une différence entre néolibéral et libéral. Différence qui est pas souvent faite. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est libéral, mais je suis absolument pas néolibéral. Pour moi, néolibéral, enfin, je dis pour moi, hein, je te dis pas, on a chacun une sémantique particulière. Pour moi, néolibéral, ça ne veut rien dire. Moi, j'essaie d'utiliser des mots les plus précis possibles, je parle de capitalistes de connivence. Les capitalistes de connivence, ce sont les grandes entreprises qui utilisent et détournent les structures d'État pour leur profit personnel. Et c'est ceux-là qui sont en train de s'accaparer toutes les ressources de la planète. C'est pour ça qu'il me semble urgent de démanteler l'État au plus vite, parce que c'est grâce à l'État que ces gens-là s'accaparent la planète, et qu'on s'est rendu compte de quelque chose, contrairement à une idée extrêmement répandue, la plupart des fortunes ne tiennent pas 3 générations. C'est pas très long, 3 générations. Quoi ? La plupart des fortunes ne durent pas plus de 3 générations. J'avais fait le test dans une de mes vidéos, j'avais cité mes sources d'ailleurs, et j'avais demandé aux gens, à votre avis, combien de pourcentage des fortunes tiennent plus de 3 générations? L'immense majorité des gens surestiment dans des proportions abyssales ce chiffre. Donc c'est évident que c'est plus facile pour quelqu'un qui a des milliards de rester riche, ça c'est très clair. Mais tous les propriétaires terriens de la City de Londres, c'est pas 3 générations, c'est 300. Oui, mais ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Tu prends des exemples. Moi, je te parle de la tendance. Je m'en fiche. Tous les propriétaires terriens. C'est pas 300. À l'échelon de la planète, ça n'est pas le cas. Alors, on peut trouver. Tu peux prouver ça, parce que. Oui, bien sûr. Tu sais quoi, je t'enverrai les références même après le truc. Enfin, là, j'ai un question, mais lundi, je te l'envoie. Je te l'envoie là dans les jours après, sans problème. Sinon, tu peux trouver la référence dans ma vidéo sur.
ce que fait l'argent à ton cerveau. J'ai expliqué, parce que l'argent, ça change la façon de penser des gens, etc. Et donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu n'as pas la patience d'attendre, tu peux aller regarder. Je la cite. Là, je ne l'ai plus en tête, mais c'est à cet endroit-là. Donc, déjà, ça veut dire, en gros, ce qui permet aux riches de garder de la richesse, c'est, enfin, de garder un niveau incroyable. C'est d'avoir pris le contrôle de l'État. C'est d'avoir pris le contrôle de l'État. Bêtement d'accord, mais, Pascal, j'attire ton attention sur le fait que c'est pas, le néolibéralisme, ça date de 80, quoi, hein, ça date de 1980, ça a 40 ans, 50 ans. Le libéralisme, c'était avant, mais, enfin, j'ai pas besoin de te faire un dessin sur le capitalisme de connivence. Tout le 19e siècle, ça a été les riches qui deviennent riches parce que leurs copains du gouvernement leur donnent les voies ferrées et tous les terrains qu'il y a autour des voies ferrées, et ça fait des fortunes colossales avec l'état de capitalisme de connivence. Excuse-moi, c'est un pléonasme. Capitalisme de connivance, c'est un pléonasme. C'est-à-dire, c'est le capitalisme. Mais si, le capitalisme, il est connivant depuis le début. Depuis le début. Non, j'ai des contre-exemples à ça. J'ai des contre-exemples. Tout le 19e, c'est oui. Sur le 19e siècle, c'est le capitalisme, c'est le 19e. Ouais. Oui, oui, 18e, il n'y a pas de capitalisme encore. Ouais. Ah bah attends, alors là, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle capitalisme dans ce cas-là. Parce que pour moi. Oui, vas-y. Ouais. Bah pour moi, le capitalisme, il est né avec justement le fait que les marchands se débrident avec les révolutions, révolution américaine, révolution française. C'est pas eux qui avaient le pouvoir, hein, on pouvait les jeter aux oubliettes avant. Alors que là, c'est eux qui se mettent à écrire. Ils ont écrit les constitutions, ils se sont mis ensuite à écrire les lois. Eh bien, ils ont écrit la responsabilité limitée, ils ont écrit la personnalité morale, ils ont écrit l'anonymat des capitaux, ils ont créé des paradis fiscaux pour pas payer les impôts, et ils ont créé tout le droit inique, qui est même pas un droit, c'est un courbe, qui ont créé toutes les règles des marchands. Alors que les marchands étaient considérés, les grands marchands, hein, je te parle pas des petits commerçants, mais les grands marchands, là, était vu par l'humanité comme les êtres les plus dangereux dont on se méfiait. On s'est méfié des grands marchands toute l'humanité. Et dans l'Ancien Régime, les marchands étaient tenus à l'écart des marchés. Entends ça. Tenus à l'écart des marchés. C'était pas le capitalisme, les marchands étaient tenus à l'écart des... Par contre, quand ils se sont mis à écrire les règles, c'est Turgot qui le premier a fait sauter ses protections publiques contre les marchands. Et là, on a laissé les marchands entrer sur les marchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, avec leur argent, ils ont acheté tout le blé. Donc, les meuniers avaient plus de blé. Et ensuite, les prix se sont enflammés tout de suite. Hein, les prix se sont envolés. Et puis, tu as eu des émeutes parce que les gens se sont mis à crever de faim. Et c'est le début du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, après ça, ça c'était un peu avant la Révolution française, ils se sont mis ensuite à écrire les constitutions dans lesquelles ils ont prévu l'élection. L'élection, ils se sont mis à désigner leurs propres serviteurs qui ont écrit toutes les règles dont je te parlais, mais il y en a une ribambelle. Le droit actuel, c'est ce droit qui fait le capitalisme. Le capitalisme, c'est du droit. Alors, je sais bien que je suis pas d'accord avec les marxistes qui disent que c'est de l'économie, mais je crois pas du tout. Je pense que l'économie débridée par un droit écrit par les puissants, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est une hubris. C'est une démesure. Ça, c'est le capitalisme de connivence. C'est quand des marchands achètent les gens de l'État pour promulguer des lois à leur avantage. Avec la Révolution française, ça commence avec Napoléon. Napoléon qui crée pour les financiers qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, et les financiers lui demandent de leur créer la Banque de France. Et là, tu as les 200 familles qui sont propriétaires de la Banque de France qui commencent à se gaver pendant tout le 19e. Et dès le début de la Révolution française, dès le début de l'assassinat de la Révolution française par Napoléon, tu as le capitalisme qui démarre, ça y est. Moi, quand je regarde... Libéralisme, il est de connivence. Hein, entre libéralisme et capitalisme, tu vois, et ces amalgames-là, ça me semble pas rigoureux. Parce que... Bah, quand même. Non, justement, moi en tout cas, après toi peut-être, mais moi non. Pour moi, le libéralisme, c'est une théorie du droit. Le libéralisme, c'est une théorie du droit, c'est justement le droit naturel, etc. C'est un courant de pensée philosophique qui se. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinguo entre libéralisme économique ou social. Non, il y a une théorie du droit, point là-dessus. Le capitalisme. C'est le fait, là je regarde juste Google rapidement, machin, voilà, régime économique et social dans lequel les capitaux, source de revenus, les moyens de production et d'échange n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Donc ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, dès qu'il y a quelqu'un qui a dit « Attends, va me chercher deux sangliers,
et puis je te donne juste un bol de soupe ce soir, c'était déjà du capitalisme. Donc de ce point de vue-là, le capitalisme, il n'est pas antédiluvien, mais il est très 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 ancien. Et surtout, parce que le meilleur argument pour dire que le capitalisme n'est pas forcément de connivence, c'est simplement de regarder autour de soi. Moi, j'ai régulièrement des échanges capitalistes avec d'autres personnes sans qu'il y ait de connivence. Ça m'est arrivé de payer des gens beaucoup plus cher que ce que j'aurais pu le faire sur la loi du marché, parce que j'avais envie qu'ils se mettent bien avec leur famille, parce que j'avais envie qu'ils puissent bien se développer, parce que j'ai un cœur. Et donc, simplement, il suffit d'un signe noir pour réfuter l'affirmation « tous les signes sont blancs », et il suffit de quelques exemples capitalistes pour montrer que le capitalisme n'est pas nécessairement de connivence. Et là, on est dans un autre biais cognitif, qui est le biais cognitif de présentéisme dont je parle sur la chaîne. On a tendance à penser, parce que ça demande moins d'énergie cognitive, moins de glucose, de se représenter ce qui est là plutôt que ce qui manque. Quand on a un gamin qui va pas bien, c'est plus facile de se dire qu'il a un problème psychique que de se dire qu'il a pas eu son père, par exemple. C'est plus facile. C'est dur à penser l'absence. Et ben moi, ce que je dis, c'est que le capitalisme n'est pas ontologiquement de connivence. Le problème, c'est pas le capitalisme, c'est le capitalisme sans éthique. Ça c'est un oxymore, par contre. Capitalisme éthique, oui. C'est un oxymore. Ouais, bon, capitalisme, c'est la préaction généralisée des pauvres par les riches. Quand je paye quelqu'un plus cher que ce que le marché me demanderait, parce que j'ai envie qu'il soit bien. Quand un de mes bons amis est patron d'une PME et paye pareil 2000 euros des employés alors qu'il pourrait les payer au SMIC et qu'il leur donne des congés, etc., parce qu'il a envie de créer un endroit, parce qu'il a plaisir à voir qu'un tel vient d'avoir une petite fille et qu'il a envie qu'il soit bien, etc., etc. Parce que j'en connais aussi, mais là t'es en train de me décrire un poisson volant avec des ailes, tu me dis voilà les poissons. Je dis mais non, c'est pas parce qu'il y a des poissons volants, ils font pas la loi du genre. Il y a des patrons généreux, mais... Non, attends, Étienne. Le capitalisme, c'est le droit de voler. Étienne, tu as dit le capitalisme est forcément de connivence. Oui. Donc tu viens de revenir sur ce que tu as dit, nous sommes d'accord. Non, parce qu'en fait, tu as... Tous les signes sont blancs, je te montre un signe noir, tu me dis, ah oui, j'en connais. C'est bien que tous les signes ne sont pas blancs, nom de Dieu. Oui, d'accord. Non, mais je répète, c'est pas parce qu'il y a une exception qu'il n'y a pas de règle. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de règle, j'ai dit que la règle, tous les signes sont blancs et fausses. Il y a peut-être une règle. Alors, je dis, je vais dire autrement, le capitalisme est presque toujours de connivence. Aujourd'hui, mais pas ontologiquement. Il a presque toujours été. Il a très souvent été dans l'histoire de l'humanité. Heureusement, le passé ne fait pas l'avenir. Et ça, c'est lié à d'autres notions que je développe sur ma chaîne, qu'on appelle les niveaux de réalité. Et on voit que selon les niveaux de réalité, le capitalisme va être plus ou moins éthique. Et que vraiment des paradigmes. Et que tant que les gens n'ont pas accès à ces paradigmes, ils ne seront pas éthiques. Et effectivement, dans ces cas-là, et tu as raison, les mêmes causes risquent de reproduire les mêmes effets. Mais oui, parce qu'à regarde le droit. Enfin, il n'y a aucune chance qu'ils sortent de l'éthique, de ce droit épouvantable qui permet aux riches de se planquer dans les paradis fiscaux avec l'anonymat des capitaux, la personnalité morte, la responsabilité limitée, les mecs qui salopent toute l'Amazonie, il n'y a aucune raison. Enfin, là, t'es en train de me dire peut-être qu'un jour ça va devenir éthique. Ouais. Enfin bon, c'est un avenir qui est tellement peu plausible, tellement peu probable que. Et bien, quand tu dis libéral, différent de néolibéral, parce que le néolibéral, c'est du capitalisme de connivence. Oui. Et quand tu me dis le capitalisme est très ancien, parce que tu retrouves des germes. Ah oui, il y avait des marchés avant le capitalisme. Oui, il y avait déjà de l'offre et la demande avant le capitalisme. Mais le capitalisme, tu peux pas confondre les germes qui ont composé le capitalisme quand il est apparu avec le capitalisme. Tu peux pas dire qu'avant le droit capitaliste, il y avait. Enfin, moi, je trouve que c'est pas. Je le lis dans des livres. Hein, je retrouve cette idée que tu défends dans les livres, et je trouve que ça tient pas. Quand on me décrit les marchés anciens de l'ancien régime, les marchés anciens comme étant du capitalisme, je trouve ça complètement déconnant parce que ça nous interdit d'identifier les causes de l'ubris. En fait, il y a un moment où ça a explosé, l'ubris, c'est-à-dire la démesure. Des mécanismes de prédation ont explosé quand les marchands, au lieu d'être tenus à l'écart des marchés, j'y tiens, c'est super important, les humains se protégeaient des marchands parce qu'ils savaient qu'une fois que les marchands prennent le pouvoir, quand Jésus chasse les marchands, je suis pas croyant du tout, hein, je crois ni Dieu ni diable, mais je découvre la portée de cette
même s'il n'a pas existé, enfin, on s'en fout, c'est un personnage conceptuel. Quand tu vois que il chassait les marchands du temple, c'est-à-dire que les marchands avaient pris le contrôle du temple, c'est-à-dire du pouvoir, et c'était une cause de trouble considérable dont il fallait se débarrasser. Il y a longtemps qu'on sait qu'il faut se protéger des marchands, donc les humains se protègent des marchands depuis longtemps, et le capitalisme, c'est la catastrophe de l'espèce humaine qui fait que les marchands sont accédés au pouvoir. Et qu'ils ont écrit le droit des marchands. Putain, c'est pas. Et tu peux pas. Tu arrives pas à dire. Tu arrives pas à identifier le problème si tu dis le capitalisme. Il y en a depuis l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité. Tu arrives pas à comprendre. Alors attends. Où est l'hubris, tu vois. Il s'est passé quelque chose au 18e là. Il y a un truc. Une cause pour essayer de passer en méta et d'essayer de proposer un modèle unifié de tout ce qu'on dit là. Là, typiquement, en termes de communication, on est sur, en PNL, en hypnose, on appelle ça matching, mismatching, on est sur des métaprogrammes. Un métaprogramme, c'est simplement que là, moi, je suis en train de dire, il y a une définition capitaliste, et je reste dans la définition stricte. Toi, tu es en train de me dire, oui, mais non, il y a un début, il y a une fin. Dit autrement et plus clair, on peut regarder les similitudes, on peut regarder les différences quand on regarde quelque chose. Moi, je regarde les similitudes entre le capitalisme qui avait lieu en 300 après Jésus-Christ et celui qui a lieu aujourd'hui. Toi, tu regardes les différences. On a tous les deux raison, on n'est simplement pas en train de parler du même endroit. Voilà. Et ce qui est clair aussi, et ce que tu as très très bien relevé, Étienne, c'est que adopter un filtre ou un autre ne va pas nous amener aux mêmes narrations. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on arrive justement à une narration commune, à un modèle unifié. Ce qui fait que moi, je crois vraiment bien, je vois bien d'où tu parles. Je vois bien que moi aussi, si je regarde les différences et pas les points communs, ben oui, les différences, elles sont arrivées. Il y a eu une coupure au 18e siècle, etc. Pas de problème. Et d'ailleurs, ça correspond à l'émergence d'un niveau de réalité individualiste, néolibéral, capitaliste, mondialisé, etc. Et j'entends bien que c'est ce niveau de réalité que tu conchis aujourd'hui, etc. Moi, ce que je dis, c'est que comme tous les niveaux de réalité, chaque niveau de réalité a quelque chose à apporter. C'est une question de degré et que en la matière, chacun voit midi à sa porte. Vous avez des gens qui conchissent ça complètement, d'autres qui prennent de la cocaïne, sont à Wall Street tous les jours, ouais, machin, et puis d'autres qui sont, on va dire, un peu plus dans une forme de modération. Et que là-dessus, la nature, elle génère de la diversité. Il va y avoir des gens comme toi, des gens comme moi, des gens comme d'autres gens avec différents optimums dans leur conception. Et que comme ni toi ni moi, on ne sait réellement quelle est la bonne, le vrai bien absolu, on n'en sait rien. On a des croyances, voilà, on espère que, eh ben, ces différents optimums vivent, ont le droit de vivre, et ont le droit de vivre dans le respect des autres optimums, évidemment, parce que sinon, on rentre dans la tyrannie. J'essayais simplement de faire une espèce de synthèse. Et je ne t'entends plus, Étienne. Je suis en train d'écrire. Tu dis comment on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est le bien. Enfin là, il y a comme un, je vais peut-être plus loin que ta pensée, hein, mais je sens comme un renoncement à une nécessité. Je ne dis pas que le bien va être objectif, hein. Je ne dis pas ça. Je sais bien que ça va varier d'un collectif à l'autre. À mon avis, sur l'essentiel, ça va être très ressemblant, hein, d'un le respect de la vie, le respect de la propriété raisonnable, il va y avoir des tas de choses communes, hein, dans toutes les sociétés humaines. Mais c'est vrai qu'il va falloir les négocier. Le bien, ça, décider ce qui est bien, c'est complètement politique. Ça se discute entre les membres de la société. Et quand tu as une proportion importante d'une société qui décide que ça c'est bien, si le reste, ceux qui se décident que non, ça c'est pas bien, n'est pas d'accord, il faut qu'ils puissent s'écarter. Si c'est vraiment important pour eux, il faut qu'ils puissent s'écarter. Mais il n'y a pas de raison pour que, parce qu'il y a une petite partie, minoritaire, qui est pas d'accord avec la majorité, il n'y a pas de raison que ce soit elle qui décide. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à la fois à trouver des procédures qui nous permettent d'abord de nous entendre, de nous obliger à écouter ce que disent les autres. Les institutions nous obligent à écouter les autres, bordel. Et si on n'a pas ça, et on s'entretue, si on ne se parle pas, on va se détester, on va multiplier les malentendus. Le projet démocratique, c'est assumer le fait que nous sommes
en conflit sur presque tout. On n'est pas d'accord. On a des conflits, des différences d'intérêts entre lesquelles il va falloir arbitrer. On le sait et on sait qu'on risque de se taper dessus, on risque de s'entretuer. Pour ne pas s'entretuer, on sait qu'en discutant, on va pouvoir rapprocher les points de vue, on va éviter des tas de morts. Et donc, la majorité, c'est d'ailleurs toujours dans des sociétés de soldats, c'est dans des sociétés armées hein, qu'on a décidé, qu'on votait à la majorité. Dans les sociétés indiennes, ils ne votaient pas à la majorité, ils étaient à l'unanimité. Ils se respectaient totalement. Si un Indien n'était pas d'accord pour changer la coutume, on ne changeait pas la coutume. Il fallait que tout le monde soit d'accord. Et puis, c'est dans les sociétés de soldats, pour éviter de s'entretuer, qu'on a décidé à la majorité, quand on voit qu'ils arrivent en plus grand nombre, et que si on n'arrive pas à se parler, on va se castagner, ils sont plus nombreux, ils vont nous mettre la pâtée. Pour éviter de prendre la pâtée, la minorité accepte, pour éviter de mourir, quoi, hein, accepte la loi de la majorité. À partir du moment où on a nécessité fait loi, quand on a des grandes sociétés, c'est la mort dans l'âme qu'on se résout à la majorité, parce que tout le monde préfère l'unanimité. Oui, je suis d'accord, ce serait mieux d'avoir l'unanimité. Mais dans une grande collectivité, il n'y a pas besoin que ça soit très grande d'ailleurs, ça devient impossible. Impossible. Donc impossible, ça veut dire quoi? On décide comment? On ne décide plus rien? C'est-à-dire qu'on revient à une société individualiste dans laquelle... je voudrais te signaler, je sais pas si tu connais ce bouquin. Est-ce que tu arrives à lire le truc là ou pas? Très bien, je vais. Le bouquin de Supio sur la gouvernance par les nombres montre comment les libéraux, les vrais libéraux, les premiers libéraux, avaient construit un gouvernement par les lois qui s'appuyait sur quelque chose de dogmatique qui était la supériorité d'un tiers de confiance qui est l'État. Mais c'est les libéraux qui ont inventé ça. C'est les libéraux qui ont posé le tiers de confiance, l'État, qui rend possible les contrats, qui rend possible le respect de la parole donnée, parce qu'il sert d'arbitre. Ah, attends, parce que Étienne, parce que historiquement, oui, c'est les libéraux qui ont fait l'État, tout à fait, parce que à l'époque, c'était encore le pouvoir monarchique, donc c'était l'État ou le pouvoir monarchique, donc c'était la peste ou le choléra, bon, ils ont préféré le moindre mal. Mais aujourd'hui, c'est pas normal, c'est bien pensé leur truc. Il suffirait que l'État soit mieux sous contrôle citoyen, au lieu d'être volé par les riches, par le mécanisme de l'élection qui donne le pouvoir aux plus riches. Putain, l'élection, c'est simple. Tant qu'on défendra l'élection, Pascal, on aura le gouvernement des riches. C'est pas libéral le gouvernement des riches, je suis désolé, c'est pas libéral du tout. Et ça tient à l'élection. Vous êtes en train de balancer l'État parce que vous n'arrivez pas à en prendre le contrôle. Vous n'en prendrez jamais le contrôle avec l'élection. Jamais. L'élection, elle donne le pouvoir aux riches. Attends, mais moi, je suis OK avec ça. De toute façon, actuellement, là encore, une nouvelle fois, on est en plein capitalisme de connivence. Donc, c'est les capitalistes de connivence qui imposent par le neuromarketing leur candidat, typiquement à la Macron, personne ne savait qui c'était, pof, ils l'ont jeté à coup de neuromarketing. Ouais. Donc, on est complètement d'accord. C'est pour ça que je suis pour démanteler ni plus ni moins la structure de l'État, puisque tu vas te retrouver à poil. Je veux dire, on dirait un gardien de zoo qui dit on peut ouvrir les cages, on peut ouvrir les portes des cages. De toute ma vie de gardien, j'ai jamais vu un lion mordre quelqu'un. Attends, il était en cage. L'État, c'est une cage. Qui c'est vrai qu'il nous enferme, Bascar, elle nous enferme, mais en même temps, elle nous protège des fauves à l'extérieur. Vous êtes en train de faire tomber les grilles, mais putain, on va se faire bouffer par les fauves. Enfin, je veux dire, l'État, c'est aussi une protection. Ça n'est pas qu'une prison, bon sang. Je crois que au-delà de l'argumentaire rationnel, au-delà des concepts, je pense qu'on a probablement des différences de point de vue qui proviennent aussi de notre expérience de vie, dans le sens où effectivement. Moi, je sais que je suis instructeur de technique militaire russe, donc du coup, j'ai pas forcément une peur gigantesque là encore, hein, un homme seul face à un gang organisé, il fait pas grand chose, hein, on va pas se mentir. Mais s'il y a plus d'État, tu vas te faire tout voler, Pascal. Tu vas te faire tout voler. Attends. Parce que justement, Étienne, laisse Pascal. Enchaîner dans une mine, on va te mettre un fer au pied, un fer. Et là, le fer, t'as pas de ligne, t'as rien, et tu vas travailler toute ta vie dans une mine. On peut sortir de l'État par le bas, on peut en sortir par le haut. On peut sortir de l'État par le bas, c'est-à-dire effectivement de dire ça va redevenir comme en Somalie, etc. Je ne le souhaite pas, tu ne le souhaites pas, personne ici ne le souhaite. Bon, il n'y a pas de débat. Moi, ce que je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que
il est possible de sortir de l'État par le haut, par une forme de responsabilisation individuelle. Ça veut dire en gros qu'au lieu d'externaliser notre papa sur l'État, c'est d'amener un certain nombre de gens à internaliser un papa intérieur de meilleure qualité, une forme de responsabilité. En gros, si je fais une métaphore, c'est pourquoi est-ce que je ne grille pas le feu rouge? Je ne grille pas le feu... Vous avez des études psychologiques qui ont été faites. Pourquoi vous grillez pas? La question, c'était qu'est-ce que vous risquez si vous grillez un feu rouge? Vous avez des gens qui disent deux points, trois points sur le permis. Vous avez des gens qui disent « Ah ben, je pourrais avoir un accident et finir à l'hôpital. » Et il y en a qui disent « Je pourrais renverser quelqu'un. » C'est différents niveaux de réalité, c'est différents niveaux de conscience. Donc, l'idée, ce serait justement d'amener, et on a des méthodes pour le faire, un certain nombre de gens à des niveaux de réalité justement qui permettent de lâcher l'État intelligemment. Je suis pas en train de dire aujourd'hui là on lâche l'État comme ça. Je suis en train de dire que l'État étant déclenchant par définition des mesures contre-productives, comme on l'a vu, ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, nous sommes arrivés dans une impasse. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire ça. On a un consensus là-dessus. Il y a pas de débat. La question, ce que je dis, c'est que moi-même, je suis même totalement pour le fait que ce que tu as dit tout à l'heure, Étienne, je suis pour le fait qu'il y ait des gens qui fassent des RIC locaux et que à force ça se réagrège avec un droit de sécession. En gros, je suis pour tout ce que tu dis, Étienne, depuis le départ. Ce que je dis, non, mais réellement, du fond du cœur, je suis pour parce que ce que tu décris, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Moi, ce que je dis, c'est que attention, les gens qui sont en train d'amener la prochaine étape. Moi, je vois déjà le coup d'après, et le coup d'après, il est sur le fait que le RIC, c'est une crypto-prise de pouvoir, qu'on est toujours dans la logique sacrificielle, et que ça va être le niveau de réalité encore d'après. C'est ça l'avantage des niveaux de réalité, c'est que ça permet d'avoir plein de coups d'avance sur l'histoire. Mais je pense que ce dont il faut avoir conscience, de mon point de vue, en fait, c'est que la société et l'organisation de la société ne correspond qu'au niveau de conscience des membres de cette société. C'est ça. Donc, on peut pas passer brutalement d'un niveau à un niveau entre guillemets parfait, parce que on est des êtres entre guillemets imparfaits qui composons cette société, donc ça va passer par étapes et petit à petit. Il y a une métaphore que j'aime bien, dont j'avais parlé avec Anna d'ailleurs. Attends, parce que t'as dit quoi? Parce que j'ai raté, j'ai été excédé. Tu as dit la société dépend du niveau de conscience de ses membres, et puis j'ai été... Ah oui, d'accord. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, on ne peut pas passer brutalement d'un état à un autre, c'est pas possible. Oui. Oui. Et que ça va se faire progressivement et que petit à petit, les choses vont se relâcher. C'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins d'états en fonction de notre élévation de conscience. Moi, je le perçois de cette façon-là. Et une chose, une métaphore dont j'avais parlé avec Anna, qui ne pouvait pas être présente avec nous à cause de la connexion, enfin bref, c'est lorsqu'en 1960, c'est dans les années 60, il y a eu un terrible tremblement de terre en Turquie. Et je me rappelle de ces images, on voyait les sauveteurs qui étaient auprès des personnes qui étaient ensevelies sous les décombres. Et le journaliste leur demandait « Mais pourquoi vous les dégagez pas tout de suite ?» Parce qu'il les voyait soulever les pierres tout doucement. Il disait « Parce que si on soulève brutalement la pierre, ça va faire un afflux vasculaire qui va faire que la personne le membre va exploser, elle va perdre son membre. Donc on est obligé de relâcher la pression tout doucement. » Et tout d'un coup, cette métaphore m'est venue, mais en fait, c'est la même chose au niveau de l'organisation de la société. On ne peut pas passer brutalement d'un état à un autre. On est obligé de relâcher cette pression petit à petit au fur et à mesure de l'élévation de conscience des gens. Donc, évidemment, il va y avoir des transitions et puis, elles seront jamais parfaites. On est tout à fait d'accord, mais on ne peut pas faire autrement, de mon point de vue. C'est pour ça que la prochaine étape, c'est justement, et ça, je trouve ça génial parce que ça nous amène à un vrai modèle unifié. Dans le sens, un truc où ce que je dis n'est pas en confrontation avec ce que dit Étienne et n'est pas non plus en confrontation avec Macron. Ça, c'est génial si on peut être dans un modèle unifié tous ensemble. C'est que justement, la prochaine étape, c'est de privatiser un certain nombre de choses, etc. Et alors là, par contre, je suis pas forcément d'accord avec Macron, mais pas pour les copains machin, mais c'est d'essayer d'ouvrir et de privatiser et de laisser une chance à des collectifs autogérés de type gilets jaunes, par exemple, de racheter des grandes infrastructures, de racheter des aéroports, de racheter des barrages. Tu vois, voilà, ça nous amène directement aux propositions d'Étienne. De recréer des collectifs un petit peu délocalisés, mais qui auraient les moyens financiers de se réapproprier ce qu'il appelle des communs et de refonctionner à l'échelon local, etc., etc., pour ensuite se rendre compte que ces fonctionnements à l'échelon local, en fait,
ont encore des parts extrêmement fines de logique sacrificielle jusqu'à arriver à un fonctionnement hyper liquide, mais qui respecte totalement l'individu. Mais comme tu le dis, ça se fait par à coup. Et c'est là où je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire que Macron, Étienne et moi, on travaille dans la même direction, mais pas aux mêmes endroits. Comme le dit la tradition, pour reprendre, bon, Étienne va dire non, mais ça je vais l'écouter dans deux secondes. Mais comme dit la tradition, vous avez des maîtres qui enseignent sur les souks en disant juste bonjour Madame Machin, comment allez-vous, et qui mettent un petit peu d'amour à cet endroit-là. Vous avez des maîtres qui forment des disciples, vous avez des maîtres qui font des conférences. Et en fait, c'est là où chaque être humain agit là où il en est par rapport à quelque chose de global. Sanglier, tu passes le micro à Étienne. On t'entend pas, Étienne. J'arrive pas à accepter la complicité avec Macron, parce que, si tu veux, c'est même pas une question de personne. Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, je comprends pas comment on peut faire ce qu'il fait humainement. Mais absolument tout ce qu'il fait détruit toutes les formes de solidarité et toutes les formes de commun. Et ça enrichit ses copains, les copains qui l'ont mis au pouvoir. C'est totalement contraire au bien commun. Quand il parle de nous, il dit qu'on est des riens, qu'on est rien. C'est-à-dire qu'il y a une conception de l'humanité qui est, je sais pas si c'est pire qu'esclavagiste ou esclavagiste, ou en tout cas qui est extrêmement raciste. C'est un racisme social, et avec une vision du mort au faible, quoi, hein, une vision complètement inhumaine, en fait, une vision brutale et très profondément injuste. Je vois pas du tout, ce qu'il y a de commun entre, mais même en cherchant, je vois pas ce qu'il y a de commun entre ce que fait ce type, qui est la négation du bien commun. C'est la négation, c'est vraiment l'appropriation par une bande. Il est, et en plus, c'est même pas lui, c'est un homme de main. C'est un homme de main, vraiment. C'est très vil, hein. Il fait ça pour de l'argent. Il sera pas payé maintenant, il sera payé après. Il fait ça pour des honneurs, les honneurs de la mafia. Ouais, la belle affaire. Enfin, c'est très tout ça. Tout ça très laid. Je suis plus dur. Je suis pas comme ça avec tous les humains, hein, mais avec les hommes de pouvoir qui détruisent la société, qui détruisent les solidarités et qui jettent les gens dans la misère. Là, on n'a plus affaire à un intellectuel qui peut se tromper, sur lequel on peut discuter. Là, c'est un malfaiteur criminel. C'est très grave ce qu'il fait. Il a désindexé les retraites. Putain, il a désindexé les retraites. Non, mais en fait, pour moi, cet homme-là, même si je suis d'accord avec tout ce que tu dis, pour moi, même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour. Donc, je suis d'accord. Non. Je suis d'accord avec le fait que l'horloge est arrêtée, hein, Étienne. On est très clair là-dessus. Si je veux essayer de voir du positif dans ce qu'il fait, c'est vrai que ça me demande un putain d'effort. On va pas se mentir, mais quand même. Il est en train de nous permettre, collectivement, de passer de la conception d'un bien commun automatique à un bien commun conscient. Et ça passe par la destruction du bien commun automatique pour nous laisser à poil et nous permettre, dans ce apoilisme, de se dire mais en fait, je suis réellement acteur de mon commun. Et donc, il y a des moments où il y a des destructions qui permettent à autre chose d'arriver. Ouais, d'accord. Mais le modèle n'est pas unifié entre Étienne et Macron. Enfin, tu vois, on va se débarrasser de Macron. Si tu veux, je te laisse ton bouc émissaire si t'en as besoin, toi, dans ton schéma. C'est pas un bouc émissaire, c'est quelqu'un qui est en train de me violer. Enfin, si tu me parles de bouc émissaire, c'est quoi ce truc? Je suis pas du tout en train de désigner un innocent. C'est celui qui est en train de me violer, de violer les gens. Alors moi, il me viole pas, hein, mais c'est les gens. Mais non, mais et alors? C'est pas parce que j'ai pas besoin d'être violé pour avoir de l'empathie avec les gens violés, hein. Et quand je vois les mamies gilets jaunes qui gagnent 600 euros de retraite et qui voient leur retraite désindexée par ce salaud, c'est pas un bouc émissaire, hein, Macron. Bouc émissaire, c'est injuste. C'est quelqu'un qui est pas responsable. Métaphore hypnotique qui est celle du viol. Un viol, c'est une agression proactive. Oui, c'est ça qu'il fait. Mais il nous viole. C'est proactif. Non, quand il désindexe.
Une agression proactive, c'est quelqu'un qui arrive, qui te frappe, quelqu'un qui arrive, qui fait un rapt, quelqu'un qui arrive, qui te vole. Quelqu'un qui cesse de t'aider, ça n'est pas une agression proactive. Et c'est ça, une retraite. Mais non, la retraite, la mamie, elle a cotisé. Mais si, tu es en train de prendre la défense de Macron en disant qu'il nous a pas violés, en disant qu'il cesse de nous aider. Mais c'est pas ça qu'il fait. Dans les concepts, c'est pas la même chose. Mais Bascar, je sais pas quel âge t'as, moi j'ai 60 ans, j'ai payé les autoroutes toute ma vie avec mes impôts, les autoroutes elles m'appartiennent, et quand il les donne à vil prix à ses copains, il me vole, c'est proactif. Et quand la mamie qui a cotisé toute sa vie à la retraite, qui a que 800 euros, déjà 800 euros c'est pas beaucoup, c'est scandaleux, mais en plus il la désindexe, ça veut dire que l'inflation va ronger, elle va ronger sa retraite jusqu'à sa mort. Pascal, c'est du vol, ça, c'est proactif, c'est du viol. Qu'est-ce que tu me parles d'hypnose? Tu m'as dit quoi, d'hypnose? Comment tu m'as appelé ça? Quand je te parle du viol, t'appelles ça quoi? La métaphore du viol est une forme... Métaphore hypnotique. Une métaphore hypnotique parce que ça amalgame en un seul concept la notion d'agression proactive et la notion de non-soutien. C'est ça que et je pas dis. Du tout, mais pas du tout, ça amalgame. Je pense pas au non-soutien, je pense à l'agression, je pense au vol. Mais attends, si jamais je te donne de l'argent tous les mois et qu'à un moment donné je t'en donne moins et que toi tu comptais dessus, je ne t'agresse pas. C'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Pardon ? C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça la baisse des retraites ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La retraite, c'est un droit. C'est un droit qui est créé par le travail. C'est-à-dire que le travail d'une vie donne un droit après le travail. Et quand tu supprimes ce droit, tu n'es pas en train de ne plus donner. Macron, mais l'État n'a rien à voir, Bascar, l'État n'a rien à voir avec les retraites. Les retraites, elles étaient non étatiques. L'État s'est mis progressivement à voler cette institution. Mais les retraites, ce sont les salariés qui ont décidé qu'une partie de leur salaire, ils allaient, eux, les salariés, pas besoin de l'État, pas besoin des élus, mais les salariés ont décidé qu'ils allaient affecter une partie de leur salaire au revenu des vieux parce qu'ils savaient qu'un jour ils allaient être vieux et que organiser cette solidarité, c'est une espèce de coopérative. D'entraide, mais intéressée, c'est de l'égoïsme altruiste ou de l'altruisme égoïste, c'est-à-dire que j'aide les vieux parce que je sais qu'un jour je vais être vieux, et donc ils ont décidé de prendre des cotisations, donc c'est les cotisations des gens aujourd'hui qui payent les salaires, les retraites des retraités d'aujourd'hui, et on met en place ce système qui dure ensuite ad vitam aeternam, qui ne peut pas être en faillite, il ne peut pas être en faillite. Chaque année, on sait, j'ai pas besoin de l'État pour ça, hein, c'est les salariés qui décident ça entre eux. Je sais chaque année combien il va y avoir de retraites à verser, parce que avec les tables de mortalité, je sais combien vont mourir et combien ne vont pas mourir, quelles sont les pensions auxquelles ils ont droit, je sais combien il va y avoir de salaires versés, parce que je sais quelle est la population active et je peux anticiper ce qu'elle va être l'année prochaine avec un faible risque d'air. Dans 20 ans, je sais pas, mais l'année prochaine, je sais. Et donc, chaque année, je décide par une division le taux de cotisation, c'est-à-dire le pourcentage qu'il faut prendre sur les salaires pour pouvoir payer les retraites. C'est insubmersible. Financièrement, ça ne peut pas tomber en faillite. C'est tombé en faillite quand les gouvernements qui s'est mêlé de nos affaires, qui est rentré dans les retraites et qui a commencé à dire au patron, OK, on va vous dispenser de charges sociales, de charges. C'est pas des charges, c'est des cotisations. Ils ont mis le système en faillite, l'État, quand il s'en est mêlé. Et là, c'est un faux État. C'est l'État des riches, c'est l'État des 1%. C'est un État qui a été capté par les 1%. Moi, quand je parle d'État, que je souhaite un État, c'est un autre État, un État qui serait sous notre contrôle. Mais quand tu dis que le baisser les retraites, c'est ne plus aider, tu te trompes complètement sur le fonctionnement qui a été pensé après la guerre de généralisation des retraites. Et ça n'est pas du tout étatique. Ça n'est pas l'État qui paye les retraites. C'est nous qui les payons. C'est sur nos salaires. Si tu le dis toi-même, c'est à partir du moment où l'État n'a pas respecté le principe de souveraineté que c'est parti en couille.
Non, mais ce qui est parti en couille, c'est que Macron n'est pas au service de l'intérêt général. Macron est élu par 9 milliardaires qui ont acheté tous les médias pour ça, et ils servent leurs intérêts, et leurs intérêts pour avoir plus de profits, c'est de verser moins de salaires. Dans les salaires, il y a les retraites, les cotisations de retraite, et donc les retraites, et donc en baissant les retraites, il va augmenter les profits de ses copains qui l'ont mis au pouvoir. Ça n'a rien à voir avec l'État, ça a à voir avec une captation mafieuse de la puissance publique. Ça se base sur l'État, Étienne. Comment ? Le capitalisme de connivence, dont Macron et l'ayatollah, se basent sur l'État, on est d'accord. Oui, ils se sont servis de l'État, mais c'est parce qu'on leur a laissé, c'est pas ontologique, c'est pas parce que c'est l'État. Si nous reprenions, et on le fait dans les ateliers constituants, si nous reprenions le contrôle de la puissance publique, on n'aurait plus du tout ce risque-là, mais plus du tout. Et je répète, ce que fait Macron quand il nous vole les retraites, qui sont une construction sociale majeure, il faut voir le travail de Friot là-dessus, pour comprendre ce que sont les retraites, lisez Bernard Friot, écoutez ses conférences. Mais vous verrez que les retraites, c'est pas du tout étatique, les retraites, c'est du salaire, et que quand on supprime les retraites comme Macron est en train de le faire, on ne baisse pas ce que l'État nous donnait, pas du tout, c'est pas ça. On est en train de nous voler, et c'est proactif, c'est du viol, et c'est pas une métaphore hypnotique. Là où je te rejoins et où ton recadrage me semble valoir vraiment le coup d'être fait, c'est sur le fait qu'il y a eu effectivement une attaque proactive de l'État sur un système de coopérative volontaire. De ce point de vue-là, effectivement, là je te rejoins complètement et je pense que le recadrage méritait d'être fait. Oui, complètement. Complètement. Bon. En fait, j'entends bien Étienne. Ce qu'il dit, c'est que l'État, selon ce qu'il est, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Hein. Voilà. Moi, je jette le bébé avec l'eau du bain sans problème, mais parce que là encore, c'est une question de sémantique. En fait, sur le fond, là, on a bien discuté. Je connaissais déjà les idées d'Étienne. Ça m'a permis de bien les raffermir. Et comme je le pressentais, nous avons beaucoup plus de choses en commun que ce que disaient plein de gens. C'est que c'est de la sémantique. Quand Étienne parle d'État, tu me corriges Étienne si je trahis ta pensée, quand Étienne parle d'État, il parle d'un collectif, de personnes responsables qui s'écoutent, se considèrent, etc., et qui respectent la souveraineté des uns et des autres dans une recherche d'harmonie commune, etc. Voilà. Moi, j'appelle ça des groupes, des coopérations, etc. Moi, quand je parle d'État, je parle de quelque chose qui est ontologiquement mafieux et qui ne respecte pas justement la souveraineté des gens. Donc, il n'y a aucun désaccord. On est purement dans de la sémantique et voilà. Non, c'est plus que sémantique, parce que quand tu dis l'État est ontologiquement mafieux, tu nous prives de l'outil dont nous avons besoin pour nous organiser comme ils le font au Chiapas. Alors, c'est un État. Alors, ça s'appelle pas un État, mais il y a bien une puissance publique. C'est pour ça que je dis que c'est de la sémantique. C'est que pour moi, dans ce que tu dis, j'appelle ça une copropriété. Ça peut être une grosse copropriété d'un million de gens, mais c'est pour ça que je te dis que c'est de la sémantique. C'est parce que là tu dis ah oui, mais alors dans ce cas-là, oui, c'est le principe de la sémantique, c'est que ah bah oui, mais si t'appelles ça pas comme moi, ben oui, c'est de la sémantique. C'est pour ça que je dis que sur le fond, on est d'accord. D'où l'intérêt de définir les mots au départ pour être sûr qu'on est d'accord sur. Parce que quand je dis État, je dis pas vol des pauvres par les riches. Je dis puissance publique. Et si les riches prennent le contrôle par l'élection de la puissance publique, c'est la catastrophe, c'est le capitalisme. Mais c'est pas ontologiquement. Non, mais pour moi, c'est pléonastique. Cette expression est pléonastique. Le capitalisme. Je te rends compte, Étienne, que j'ai démontré le contraire tout à l'heure et que tu n'as pas modifié. Non, mais tu l'as pas démontré du tout. Tu m'as dit le néolibéralisme, c'est un capitalisme de connivence et le libéralisme, non. Non, je suis désolé. Non, ce que j'ai dit, c'est que tu es. Non, ce que j'ai dit, je vais te refaire la démonstration en deux secondes. Tu as dit le capitalisme est forcément de connivence. Excuse-moi, je me suis échappé pour te montrer un autre bouquin. Étienne, écoute-moi, là, tu es en train de te préparer à répondre. Parce que comme tu n'avais pas écouté la première fois, je me dis que peut-être la deuxième fois, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. Vas-y, je reprends. Vas-y, je note, j'écris. Tu as dit le capitalisme est ontologiquement de connivence. Je t'ai donné des exemples. De gens qui font un capitalisme éthique et qui ne mais c'est pas un capitalisme, ils sont pas capitalistes. On est dans une définition tautologique, tu es en train de dire le capitalisme est forcément de connivence, sinon il est pas capitaliste. Donc dans ces cas-là, il y a pas, c'est pas réfutable si tu veux. Ça n'est pas scientifique, c'est tautologique. Non, mais... Oui, mais en même temps, t'as, quand même. De toute façon,
ta façon de renoncer à toute définition dès qu'il y a une exception fait qu'il y a plus. Je ne renonce pas. Je dis que si dans la définition tu dis X est ontologiquement Y, c'est-à-dire que tu en fais une ontologie, et que si moi je te montre des exemples, ça veut dire que c'est pas ontologique. C'est tout. Mais quand quelque chose n'est pas ontologique, ça veut pas dire que ça n'a pas de définition. Ça veut dire que c'est systémique. Oui. Si c'est pas ontologique, d'accord. C'est systémique. D'accord, mais j'avais corrigé. Mais t'as oublié que j'avais corrigé quand j'ai dit le capitalisme est presque toujours de connivence. Presque. Oui, mais. Et alors là, d'un seul coup, voilà. Bon. Il a été la majeure partie du temps. Voilà. Quand on travaille sur un niveau de réalité, on voit que ça dépend des niveaux de réalité des acteurs et qu'il suffit de changer le niveau de réalité des acteurs pour arriver à une toute autre solution en gardant la mécanique capitaliste. Ce qui montre bien que le problème, c'est le manque d'éthique et pas la présence du capitalisme. Et c'est ça le biais cognitif du présentéisme. C'est clair, mais c'est super carré ce que je dis. Hein. C'est un syllogisme au sens d'un bon syllogisme en philosophie. Hein. Oui, mais qui néglige, enfin qui nous empêche de parler de ce qui pose problème dans le capitalisme. Ce qui pose problème dans le capitalisme, ça n'est pas seulement la connivence, Bascar. Pas du tout. Ce qui pose problème dans le capitalisme. Non, mais alors c'est même pas le plus grave, la connivence, hein. C'est dramatique, c'est criminel, mais c'est pas le plus grave. Ce qui pose problème dans le capitalisme, c'est l'illimitation de l'accumulation, le fait qu'il n'y ait plus de limites, le fait que on peut accumuler et donc spolier les autres. Parce que quand, dans un univers limité où les ressources ne sont pas infinies, quand il y en a un qui se goinfre, qui prend des parts de plus en plus grandes, il en reste moins pour les autres, bordel. C'est beaucoup plus grave, l'anonymat des capitaux, l'irresponsabilité des acteurs, la personnalité morale des entreprises, alors qu'elles sont toutes sauf morales, elles ne sont mues que par le profit, c'est-à-dire que par le profit, elles sont rigoureusement immorales, c'est-à-dire que pour une entreprise, il n'y a rien de plus naturel que d'exploiter un enfant si ça fait gagner de l'argent. Je ne parle pas des dirigeants de l'entreprise. Je te parle de l'entreprise, la personne morale, sa raison d'être, c'est le bénéfice, c'est le profit. Et s'il faut saloper la jungle, s'il faut saloper la jungle pour faire des bénéfices, ils saloperont cette entité, elle salopera la jungle. Et si le patron est éthique, parce que les patrons, les humains, ils ont une éthique, il sera viré et on en prendra un autre. Et aujourd'hui, c'est les pires crapules qui sont aux manettes parce que les entreprises, complètement immorales, on les appelle des personnes morales, elles ne sont ni personnes ni morales, les entreprises, elles sélectionnent leur personnel pour obtenir le meilleur profit. Mais c'est un truc de dingue. C'est Frankenstein. C'est un monstre qui va nous tuer. Et c'est pas la connivence le problème. Le problème, c'est l'ubris que permet le droit des marchands. Il faut que tu remettes ton micro. Il faut que tu remettes ton micro. Je t'entends plus. On a raté le début. Il faut que tu reprennes. Tout ce que tu viens de dire se résume en absence d'éthique. Ouais. Et donc c'est pas du tout la connivence le problème. Non, c'est plus grave que l'absence d'éthique. Si tu laisses l'accumulation sans la limiter, sans qu'il y ait une. Alors je veux bien que ce soit le droit naturel. Moi, il me semble que c'est une puissance publique qui va s'en occuper, parce que le droit naturel, si t'as pas une puissance publique pour faire respecter le droit naturel, ton droit naturel il sera inexistant, parce qu'il faut des tribunaux, il faut une police pour faire appliquer le droit. Mais si tu as pas cette supérieure, ce surmoi comme tu disais tout à l'heure, qui interdit l'accumulation au-delà d'une certaine limite, parce que ça va détruire la planète et qu'on n'a pas envie de détruire la planète. Si tu as pas c'est interdit, l'illimitation, elle va produire une catastrophe. Et on a un problème de survie là, Bascar. Faut que tu m'entendes. C'est pas, je sais pas comment il faut te le dire, avec quel mot, mais c'est pas le capitalisme, il est l'illimitation de l'accumulation. Et c'est beaucoup plus grave encore que la connivence. Il y a Dom qui prépare quelque chose, je crois. Ouais, c'est un petit bouquin qui a été écrit il y a assez longtemps, ça date des années 70. Mais c'est lequel ça Et c'est quoi le titre? La voix de la vie. Mais difficile à trouver, mais je peux vous en avoir parce que je connaissais la personne qui l'a édité et qui l'a écrit. Mais j'aime bien l'histoire, parce qu'il y a un moment, il traite de pas mal de sujets, dont économie et finance, et il nous rappelle le sens premier d'économie.
Qu'est-ce que le sens premier d'économie ? C'est l'assignation de la part revenant à chacun dans une maison. C'est la part qui revient à chacun dans une maison. De economikos, donc oiko, la maison, et momeus, celui qui désigne à chacun sa part. Donc c'était vraiment la part de chacun dans une maison. Et là, je pense que l'économie telle qu'on la voit à l'heure actuelle ne correspond plus du tout à cette chose-là. À savoir que moi, ce que je vois dans le système économique tel qu'il est, comme pour rejoindre un peu Étienne là-dessus, quoi, le capitalisme, enfin, c'est le sentiment que ça donne, c'est d'utiliser des moyens, quels qu'ils soient, humains ou matériels, pour juste générer de l'argent. Juste générer de l'argent, le plus d'argent possible. Ce qui est caricatural dans ce système, c'est de penser, je pense à tous ces retraités aux États-Unis qui fonctionnent sur la capitalisation. Donc, c'est de voir qu'ils sont dans une espèce de chose complètement schizophrénique, à savoir qu'ils investissent dans des entreprises, ils achètent des actions parce que c'est ça qui va amener leur retraite. Et pour avoir une retraite maximum, il faut que l'entreprise fasse le maximum de bénéfices, donc licencie le plus possible de personnes pour augmenter sa part de profit. Donc, ils sont en train de se passer la corde du cou, autour du cou, dans ce système de capitalisation. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent se sortir de ça, quoi. Mais c'est le système dans lequel on est. Et bon, mais ça, moi, je le vois d'une façon beaucoup plus large, à savoir que on est dans une logique donc de l'attachement et de nos peurs. Mais c'est quelque chose de très profond, à mon sens, qui remonte à des choses très très profondes. Et dans le sens où on n'est pas capable de faire les choses dans le don. On n'est pas capable d'offrir les choses. Donc on est dans l'échange. Mais dès qu'il y a l'échange, moi je le sens comme ça profondément, il y a la violence qui est latente. À savoir que si l'objet de mon échange ne correspond pas à ce que j'attends, ça va. Tant que ça correspond, ça va. Mais il suffit que ce soit un tant soit peu déséquilibré pour que tout de suite il y ait une violence intérieure qui sera plus ou moins manifestée selon la force de celui qu'on a en face. S'il est plus fort que nous, bon, on ne sera pas content, mais ben, on va lâcher le truc. C'était Clausewitz qui disait que le commerce c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Enfin, c'est un petit peu cette idée-là, quoi. Oui, oui, que je ne connaissais pas, donc c'est bien que tu rappelles ça, quoi. Mais donc, bon, bah, ça correspond, j'en reviens à ça, quoi, à notre niveau de conscience intérieure. Et tant qu'on n'est pas capable de vivre dans le don, bah, on est obligé de trouver des artefacts, des artifices. Et malheureusement, la violence, elle est intrinsèque à ça. Et je ne sais pas trop comment on peut faire fi de ça sans faire un travail intérieur. Moi, je suis d'accord, hein, sur l'essentiel. Je rajoute un truc, je dis pas mais, je dis et. Sur le fait, parce que être dans le don, c'est une expression qui a une valence positive. On se dit, ouais, c'est bien d'être dans le don, quoi. Tu vois, enfin, il y a un truc, ça fait sympa. Alors que tu vois, nous sommes dotés de deux capacités, une capacité d'ouverture, d'être dans le don, une capacité de fermeture, faire poser ses limites. Et tout comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui sortent des livres dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne, sur la coopération, etc. C'est bien, hein, c'est top. Hein, moi, je suis pour la coopération, mais je suis aussi pour la non-coopération. C'est-à-dire, je suis pour que l'individu ait le choix de s'adapter selon les circonstances, selon les moments. Justement parce que quand il y a un échange et que l'échange n'est plus satisfaisant, eh ben, on n'est pas forcé de rester dans l'échange. On peut aussi dire, bah non, en fait, là, ça me va pas, je m'arrête, etc. Et c'est comme une respiration. Il y a les deux temps qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, la sélection naturelle, depuis des millénaires, nous a donné cette capacité de pouvoir coopérer ou ne pas coopérer. Ce que j'observe, notamment en termes de psychologie individuelle et de psychologie des foules, c'est que, je vais faire une métaphore qu'un ado, plus vous respectez les limites d'un ado, plus ça fait un adulte altruiste, très souvent. C'est-à-dire que plus vous permettez à l'ado d'affermir son moi, plus il a déjà fait tous ses caprices quand il était jeune, il a déjà fait le tour de lui-même, il dit ouais mais ça va, c'est bon, moi ça va bien, quoi, et il devient plus altruiste. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est pas en le forçant, c'est même l'inverse, en le forçant à être altruiste, on génère une frustration qui fait que quand il va être plus jeune, il va penser qu'à sa gueule parce qu'il en a rêvé toute son adolescence et qu'il n'a pas pu le faire. Et pour moi, c'est ça le sens de l'état obligatoire. C'est justement d'essayer de forcer les gens à être solidaires, les forcer à être généreux. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on ne force pas les gens à la vertu et que la base, c'est justement ce respect. Je sais, je radote à fond, hein, là, je radote à fond pendant ce live, mais il y en a peut-être qui se sont endormis. C'est ce respect de la souveraineté individuelle qui me semble le plus urgent pour le moment. Je dis bien pour le moment, je parle à un temps T dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui en France, cette souveraineté,
de l'individu, elle n'est pas acquise. C'est ça que le système a besoin d'apprendre. Aujourd'hui, je vois des slogans sur les hôpitaux, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, de gens qui disent « l'hôpital ne veut pas de votre charité, on veut que vous payiez vos impôts ». C'est terrible, parce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas d'argent, ils veulent la soumission à un ordre qui les sécurise. C'est-à-dire que le respect de la souveraineté n'est pas acquis. Moi, je ne veux pas de gens qui me donnent de l'argent, quel que soit mon métier. Je ne veux pas de gens qui me donnent de l'argent sous la contrainte. Je n'ai pas de joie à ça. Les soignants disent ça parce que si tu payes pas tes impôts, ils vont pas être payés. Ils vont être 2 au lieu de 10 à faire le boulot. Ils vont avoir une vie de merde. Tout ça parce que les gens veulent être soignés, ils veulent pas payer leurs impôts. Mets-toi à leur place. J'ai raté le début. Je me mets très facilement à leur place, d'autant que j'ai plein d'amis qui sont infirmiers. J'ai un de mes meilleurs amis qui habite à 10 minutes de chez moi, qui est en première ligne. Il n'avait pas de masque. C'est moi, il se trouve, j'avais une boîte de masques. C'est moi qui lui en ai donné une dizaine. Je me mets sans problème là-dedans. Mais ce que je dis, c'est que la banderole du slogan que j'ai dit, elle dit pas on veut de l'argent. Elle dit on veut de l'argent via, elle impose la stratégie en plus du besoin. Et imposer la stratégie en plus du besoin, c'est un déni d'altérité. Et c'est ça que l'époque a d'abord besoin de comprendre. C'est d'abord le respect de l'altérité, parce que quand il y a un respect de l'altérité, là, on peut commencer à dialoguer pour dire « Et ça te dit pas que toi, autre et moi, on fasse un groupe et un collectif ?»« Ah ouais, bonne idée !» Et là, ça fait un groupe qui est sympa. Parce que sinon, on peut pas construire un collectif sain sur un déni d'altérité. C'est toxique. C'est la définition des relations toxiques, pour reprendre le bouquin que j'ai écrit. Ce que tu me dis là, moi, ça me fait penser à quand j'ai fait mon tour de France, tu sais, des Gilets jaunes, j'ai vu tout un tas de ronds-points sur 3 mois. Et les groupes s'étaient formés effectivement par situation géographique au départ. Et puis rapidement, il y a eu des groupes qui ont fonctionné, il y a eu des querelles. Dans tous les groupes, évidemment, ça s'est reformé petit à petit différemment. Bon, il y en a qui sont partis, qui ont fait finalement le rond-point d'à côté ou d'en face, qui en ont créé de nouveaux. Et les équipes se sont comme ça complètement reformées au fur et à mesure du temps. Je les ai vus se reformer différemment en fonction des affinités et tout ça. Voilà. Et effectivement, ouais, ça, je l'entends. Ça, je peux amener cet exemple-là, ouais. Mais c'est liquide parce que ça va avec la vie. La vie, elle n'aime pas n'importe quelle forme de vie. Tu prends un chien, un chat, un écureuil, il est tranquille en train de dormir. Il fait rien. Il n'a pas envie de bouger, il est tranquille. Tu lui attrapes la patte, il bouge. Parce qu'il n'a pas envie d'être contraint par, il n'a pas envie qu'on lui impose un critère géographique, par exemple, dans ton exemple, qui est peut-être très pertinent pour plein de gens, mais qui ne sera jamais pour tout le monde. Oui, on a tous des stratégies qui nous sont éminemment personnelles et c'est qui ça. Dépendent de nos besoins. Et même si on a des besoins communs, on peut avoir des stratégies différentes pour remplir nos besoins. Donc, il faut accepter qu'on puisse avoir des stratégies différentes. Et c'est moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, c'est de trouver des stratégies possibles pour que chacun puisse y trouver son compte. Et puis d'en parler, de pouvoir en parler, y réfléchir ensemble, c'est bien aussi. Je vois que le chat a eu l'air vraiment d'apprécier ce soir, en tout cas la discussion et les réflexions. C'était très plaisant à écouter. On va peut-être pas tarder à conclure quand même. Ça fait 3 heures mine de rien. Voilà, t'avais des une bête de concours. Ouais. Donc je vais redonner la parole à Dominique. Dominique, pardon, tu voulais peut-être, t'avais peut-être un mot de conclusion, toi, pour ce que tu avais préparé. Je reviens à ça, ce que j'ai dit avant. Pour moi, c'est pas le souci, c'est comme ça. Moi, je pose les choses de la façon, ma façon de voir les choses, c'est que, bon, Étienne a l'habitude de ça. C'est que je pense qu'en tant qu'humain, on n'est pas encore des êtres humains. On n'est que des avoirs humains. Avoir une voiture, avoir un machin, avoir une bagnole, avoir un mari, avoir une femme, avoir des enfants. On est dans l'avoir, avoir, avoir, pour combler un vide intérieur. Enfin, moi, je le vois de cette façon-là. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et c'est un grand travail. Alors, c'est vrai que le fait d'écrire la Constitution, pour revenir sur comment j'ai rencontré Étienne, c'est à travers l'écriture de la Constitution. Et ce qui m'arrivait de dire souvent, c'est que moi, l'écriture de la Constitution, ce qui peut surprendre plus d'un, en fait, écrire la Constitution, je m'en fous sincèrement. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le travail de réflexion qui s'opère dans l'atelier constituant.
Et ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est qu'en cours de l'atelier, une personne va dire « Ah non, non, mais ça, on peut pas. Pourquoi ? Parce que je suis trop attaché à ça. Et pourquoi ? Parce que sinon, j'ai peur que… » Ah, ben là, on rentre dans le dur, et là, ça devient vraiment intéressant. Et c'est ça qui vraiment me passionne dans les ateliers constitution. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la constitution parfaite, c'est celle dont on n'aura plus besoin parce qu'on aura enfin accédé à l'état d'être humain. Voilà. Mais ça va prendre du temps, donc… Ben oui, il va falloir des constitutions qui seront forcément imparfaites et qui seront le reflet de notre niveau de conscience du moment, mais ça ne doit pas nous empêcher de faire ce travail. Et moi, je vis ce que je disais, c'est que les ateliers constituants, pour moi, c'est comme de faire pour certains, de faire de la méditation, d'avoir des pratiques intérieures éminemment personnelles, et c'est un outil parmi d'autres. Je le vois vraiment comme un outil d'émancipation intérieure, et ça me paraît vraiment fondamental. En tout cas, j'étais très très content de pouvoir vous réunir tous les deux, ça me met en joie. J'espère que cette joie sera partagée par le plus grand nombre, et si vous êtes d'accord tous les deux, j'espère qu'on pourra remettre ça très bientôt. Parce que on verra au résultat des auditeurs si ça leur faisait plaisir qu'on poursuive cette aventure ensemble, parce qu'on va dans des choses plus profondes et on ne reste pas à la superficie. Et juste pour terminer aussi, c'est que moi je vis ce moment particulier de confinement, enfin de confinement qui est une conséquence, comme une opportunité incroyable que nous fournit la vie pour avoir des prises de conscience vraiment très très profondes sur. Ben, pourquoi on est là? Qu'est-ce que c'est vraiment la vie? Est-ce que c'est d'accumuler toujours plus ou est-ce que c'est d'être heureux, de passer des moments heureux avec ben, les êtres qu'on aime et nos proches, etc. Et j'espère que ça va amener à ces réflexions profondes. Et quand on voit sur des choses beaucoup plus terre-à-terre, au niveau des valeurs, de voir que ce qui génère le plus d'argent, c'est des professions qui sont, de mon point de vue, les plus inutiles pour la société, je pense aux traders, par exemple, et ces financiers qui accumulent des richesses colossales. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qui est-ce qui fait tourner vraiment la société? Ben, ça va être la caissière du supermarché, ça va être le livreur, ça va être les soignants, évidemment. Et ce sont, comme par hasard, ceux qui sont le plus dévalorisés en général au niveau de la valeur qu'ils produisent, quoi. Donc, j'espère que toutes ces choses-là vont amener beaucoup de questions. Et puis, ça ne doit pas empêcher de cultiver son jardin intérieur et extérieur. Donc, d'être dans quelque chose de vraiment local, de revenir au local, que ce soit au niveau économique, au niveau de nos ressources alimentaires, mais aussi, quand je parle de local, évidemment, au niveau du cœur de tout à chacun. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je vous remercie. Eh ben, je vous passe la parole. Merci à toi Dominique, je vais laisser la parole, lui, de faire un petit mot. Et juste avant de terminer, oui. Encore un grand, grand merci à Sanglier de nous avoir accueillis, d'avoir géré ça, parce que sans toi, ça n'aurait pas pu se faire. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Bhaskar, je te laisse dire un petit mot peut-être de la fin, vas-y. Merci beaucoup, ça m'a fait très, très plaisir d'avoir ce long échange qui était peut-être un peu plus débat que je ne le pensais. Mais avec toujours un fond qui, voilà, dans lequel je me reconnais profondément et de voir l'importance de la sémantique, l'importance des définitions. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui disait, avec des gens de bonne compagnie, on finit toujours par tomber d'accord. Et pour moi, ça a été vraiment intéressant d'illustrer ça. On pourrait continuer à creuser. Il y a encore des zones qu'on n'a pas fini d'explorer. On pourrait même faire un test. Je lance ça, je divague, hein, mais avec chaque intervenant qui prend le temps de reformuler ce que dit l'autre jusqu'à ce que l'autre soit satisfait. Ça, c'est une très bonne technique pour favoriser l'écoute là-dessus, que je trouve vraiment intéressant. Parce que là, on était plus en émission par rapport aux gens qui écoutent, mais ça pourrait être intéressant aussi qu'ensemble, on s'apprenne des choses l'un sur l'autre dans les zones où on va pas forcément, tu vois. Là-dessus, voilà. J'ai adoré. On passe à la prochaine fois. Ah ben volontiers, on en parlera en off, mais en tout cas voilà. On se prendra un rendez-vous un petit rendez-vous pour passer, parce qu'il va falloir que je file là. J'ai adoré ta conclusion là-dessus, en tout cas ça rejoint complètement mon travail d'homme là-dessus, vraiment. Hein. Quand tu as dit l'idée d'une constitution, c'est qu'on discute tellement qu'on n'en ait plus besoin. Pour moi, c'est ça l'essentiel de la chose, puisque dans mon jargon, j'appellerais la constitution un doudou épistémique. Et ce serait top qu'on devienne assez adulte pour plus avoir besoin de doudou. Voilà. Je voudrais vous remercier vraiment à chacun pour la bonne ambiance et l'invitation. Merci beaucoup.
Étienne, je te laisse la parole, ouais. Honneur aux vieux pour conclure. Sympa. Eh oui, papy. Il a le même âge que moi, espèce de fanfaron. Non, regardez, vous avez vu la différence, je suis beaucoup plus jeune, rien à voir. Ça, tu vois, c'est une agression proactive. Et puis, de toute façon, c'est très bien d'être vieux. Bah oui, c'est bien. C'est bien. En fait, on progresse que dans la contradiction. Le problème de nos débats, nos échanges, nos rencontres, c'est que rencontrer des gens avec qui on est d'accord, c'est confortable, mais c'est presque stérilisant. On progresse pas du tout, et même on se radicalise, on se fanatise quand on ne discute qu'avec des gens de notre façon de penser. Donc c'est comme une hygiène d'aller frotter ses neurones avec des gens qui sont pas d'accord en le faisant respectueusement, hein, mais évidemment. Il y a un chapitre de Montaigne sur la conversation qui est, alors Montaigne, c'est, pendant longtemps j'ai cru que c'était une pédanterie de faire référence à Montaigne, parce que à chaque fois que j'essayais de le lire, j'y arrivais pas, je comprenais rien, c'était en vieux français. Et en fait, il fallait traduire et ça ralentissait énormément la lecture et j'arrivais pas à comprendre l'intérêt. Jusqu'au jour où j'ai trouvé la traduction de Lanly, c'est les essais donc de Montaigne, c'est un gros bouquin, mais en français moderne. Et là, c'est un jaillissement d'intelligence. Je vous recommande, ça va vous suivre toute votre vie. C'est lumineux. Et il y a un chapitre sur la conversation, sur l'art de la conversation, où en fait, il explique en observant lui-même, il explique des tas de choses qu'on a nous aussi en nous. Il les fait tellement sincèrement, tellement rigoureusement, honnêtement. En fait, il met à jour, il montre des choses qu'on connaît très bien parce qu'on les vit aussi, mais qui sont beaucoup plus claires une fois qu'il les a dites, parce que ça va mieux en le disant. Et il explique sur la conversation nos travers qui sont d'essayer d'avoir raison, d'essayer d'être celui qui gagne, d'essayer de vaincre l'autre, qui sont des façons complètement idiotes de converser, alors que une bonne conversation selon Montaigne, c'est de chercher le vrai, de chercher l'endroit où savoir que je me trompe, et je sais pas encore où je me trompe, et c'est la conversation avec l'autre qui va me montrer où je me trompe. Et si les deux font ça, c'est magique. C'est vraiment, ça fait des, c'est la jouissance de la, il appelle ça la, frotter les cervelles. Il adore aller frotter sa cervelle avec celle des autres. Et ça peut être très rude, hein. Il dit, j'aime que, voilà, j'aime, je fais fête à celui qui me contredit. J'aime pas quand il me parle d'un ton de professeur, mais quand il me houspille pour me dire que j'ai tort, il me rend un grand service. J'avais publié sur le blog des tas de passages de Montaigne. Et donc là, voilà, c'était une conversation comme ça. Je trouvais ça super, moi aussi. Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Donc, à Dominique qui a eu l'idée, à Sanglier qui l'a organisé physiquement, c'est vachement bien. C'est vrai que si, et puis en plus, Sanglier Jaune, c'est un type super, un type bien. Merci à vous trois. J'espère qu'on se reverra bientôt. On recommencera. L'idée de se revoir avec l'idée de reformuler par principe, hein, comme technique pendant la soirée, de reformuler l'autre jusqu'à ce que l'autre soit OK, ça me plaît bien. C'est un sacré exercice, ouais. Et alors, merci beaucoup Étienne pour ta conclusion, ça me touche. Et je voulais dire aussi m'excuser par rapport au chat, c'est vrai que finalement j'ai relevé peu de questions parce qu'en réalité le débat était tellement animé. Et puis bon, on est quand même à 3h10. Toi, Bascar, là, t'as d'autres choses à faire aussi. Bon, on va pouvoir remettre ça, hein, sans problème. Donc après, il y avait une question que j'avais mis du côté, puis on l'a pas traité. Mon Dieu, je sais pas si on l'a traité dans le flot de l'action ou si on l'a carrément. Pas vraiment. Il y en a plusieurs en fait qui étaient très pertinentes en plus. Bon, après, vous avez répondu à des choses. Tu peux pas les archiver pour une prochaine fois. Tu peux pas les mettre dans un document et puis on essaye dans.
d'en sortir mais... ce qui me paraît. Complètement. Et ce que j'allais faire, de toute façon, et c'est effectivement dire au chat de ne pas hésiter, c'était j'avais noté Frédéric, Mamifi, Fildor Lavi, et puis deux, trois autres. Mais n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires en fait, de ce live, de cette vidéo. Et là, il y aura non seulement une trace, chacun pourra les voir et on pourra les sélectionner et en repartir. Et la prochaine fois, on repartira là-dessus. Voilà, tout à fait. Travailler un petit peu le, un petit peu ça et repartir à partir de ça, entre autres, avec cette idée, pourquoi pas, de reformuler et en repartant des questions du chat. Ça pourrait être intéressant, ouais. Donc, voilà, les amis, bah, merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Confinez bien, on n'en a pas parlé, ça fait du bien. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Merci à tous. Et merci à tous.